sont partis bonjour à tous euh, voilà on va commencer encore quelques petits retardataires mais euh, on va commencer euh, bonjour à tous merci d'être là on est en direct des studios de Technofuture à Gosli. qu'on remercie on remercie vraiment ce centre de compétences euh, qu'on vous conseille on a une super collaboration avec eux c'est vraiment super on est vraiment content euh, voilà, donc on est avec Désiré, Désiré de l'agence Désiré. Bonjour Salut Désiré, tout le monde. merci d'être là. Mais je t'en prie euh, avec plaisir. Pour ceux qui se souviennent, Désiré avait déjà donné un webinaire avec nous, le webinaire sur TikTok. Exactement. Il y a déjà euh, il y a déjà plus d'un an, je pense. Ouais, il y a plus d'un an, euh, ouais, effectivement. Euh, déjà. Voilà. Le temps passe vite ouais. quand on s'amuse. C'est ça, c'est ça. Et donc, <laughs> voilà, ben, on a voulu organiser un webinaire sur le Meta Business Suite. Euh, ainsi que sur les mises à jour euh, importantes euh, qu'a connues Facebook euh, ces derniers temps. Sure. Surtout à votre demande, euh, de, 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 lors de nos accompagnements, il y a énormément d'opérateurs qui nous ont fait part de leurs difficultés. Donc, ça nous semblait vraiment pertinent de faire un webinaire là-dessus pour faire le point avec vous. On va, on va essayer, avec euh, désiré, d'éclaircir euh, ce qui doit l'être. Euh, avant de, de commencer le webinaire proprement, proprement dit, pardon, on va faire... Euh, je vais vous faire un petit rappel de, du service animation numérique de territoire euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, encore. Donc, je vais lancer mes slides et puis je laisserai le contrôle à désirer. Merci. Voilà, donc... Euh... Le service animation numérique de territoire. À quoi ça sert À quoi ça sert un animateur numérique de territoire Donc nous sommes là pour accompagner les professionnels du tourisme. Donc quand on parle de professionnels du tourisme, ça va des propriétaires de gîtes aux hébergements, en passant par les, les maisons du tourisme, offices du tourisme, etc. Les musées, les attractions touristiques. Euh, donc nous sommes là pour établir un diagnostic sur votre présence en ligne. On va essayer de vous faire des recommandations par rapport à votre domaine d'activité, ce qui peut être amélioré sur votre présence en ligne. Nous réalisons de la veille, donc nous faisons de la veille, donc nous, nous, nous essayons de nous, tenir, de nous tenir au courant des dernières tendances sur le web, sur le tourisme, et cette veille, nous la partageons via différents canaux que voici. Donc, nous avons notre groupe Facebook ANT Visitez-nous. Donc, c'est simple, vous tapez simplement dans la barre de recherche ANT Visitez-nous sur Facebook, vous trouverez tout de suite le groupe. Euh, notre site Internet, pro.visitez-nous.be. Sur ce, ce site Internet, mais donc, nous avons notre boîte à outils avec différents tutos euh, et également des articles de blog euh, sur les différentes nouveautés, euh, l'actualité du digital. Euh, nous avons également notre newsletter euh, sur laquelle vous, vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter via notre site provisitez -no Vous allez sur la page d'accueil et vous trouverez un lien pour pouvoir vous inscrire. Et alors, notre chaîne YouTube ANT visitez no, sur laquelle nous diffusons nos webinaires. Donc, le webinaire ici est enregistré et sera diffusé sur notre chaîne YouTube dès demain. Voilà, nous aidons également à la refonte d'un site web. Euh, nous formons les opérateurs via des ateliers. Euh, que les ateliers vont être soit sur place, soit à distance, comme on le fait aujourd'hui. Euh, et nous, nous essayons de sensibiliser au plus possible sur l'importance des outils numériques. Et tout ça est entièrement gratuit, du début à la fin de A à Z. Euh, C'est un service qui est offert par la Fédération du tourisme de la province de Hainaut. Voilà, pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pro.visiteno.be. Voilà, je ne la fais pas plus longue. Voilà. Il y a également notre groupe Facebook, comme je disais, soit en tapant cette URL, soit en tapant ANT Visiteno sur Facebook. Voilà, euh, je ne la fais pas plus longue. C'est parti, désiré, c'est à toi. Merci pour, pour ta présentation et merci de de nous accueillir, de m'accueillir ici. Merci aussi à Adrien, que vous ne voyez pas, mais qui est en régie. C'est là que je regarde. Il est en régie et qui fait un travail formidable. Merci à Technofuture. Donc, euh, que se passe-t-il sur la planète Facebook Il s'en passe des choses. Euh, alors, moi, je vous invite euh, à poser toutes vos questions dans le chat. Alors, si possible, vraiment dans le chat, pas dans la partie questions-réponses, mais vraiment dans le chat. Et mon ami euh, Loris euh, m'interpellera, au moment où il y a des questions. N'hésitez pas à déjà mettre maintenant quelles sont vos attentes par rapport à cette formation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que j'aimerais surtout faire, c'est répondre à vos questions par rapport à, euh, voilà, à, ce, à, ce, à ce gros mouvement qu'il y a sur Facebook entre Facebook, Facebook, euh, Facebook Business, la Meta Business Suite, le Creator Studio, Facebook Ads, etc. Allez-y, franchement, balancez vos coms comme disent les Jones, euh, mettez vos commentaires et moi je tâcherai de, de, de répondre à vos questions. Alors, le temps que vous tapiez vos questions dans le chat, euh, je vais me présenter. Celles et ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc, je suis. Euh, ah non, ce pas la bonne slide. Haha, je fais toujours la blague. voilà parce On me dit toujours que je ressemble <laughs> à Sergio de la Casa de Papel. Malheureusement, non, ça n'est pas moi. Le vrai, c'est celui-là. Je m'appelle Désiré Dupas. Je suis social media et digital stratégiste chez Désiré, fraîchement implanté à, à Charleroi. Et je suis content d'être sur ce territoire. Alors, euh, tour de table. ben eh oui, quelles sont vos attentes spécifiques Allez-y, mettez vos, vos commentaires. Et avant de répondre à vos questions. Je vais quand même vous parler déjà d'une chose qui est importante à savoir au niveau de Facebook et Instagram, puisque c'est une des nouveautés, bien que ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est plutôt même un, un, des, un désavantage c'est le déclin du reach et de l'engagement sur Facebook et Instagram. Et c'est vrai que ça devient assez problématique aujourd'hui c'est que la portée et l'engagement sur les deux réseaux du, du groupe Meta, à savoir Facebook et Instagram, sont vraiment euh, en dessous de tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici concernant Facebook D'après les études euh, sociales, we are social, hein, donc c'est le data portal hein, au besoin on vous mettra les liens dans, dans le chat. Eh bien, on voit que l'engagement sur les posts Facebook, je parle bien d'engagement, je ne parle pas de portée. Euh, l'engagement est de 0,25% pour un simple statut Facebook. On est à 0,28% pour une photo. 0,84% pour une vidéo native. Hein. Ce n'est pas, pas partager le lien d'une vidéo YouTube. D'ailleurs, je le déconseille très fortement. Ne partagez jamais un lien d'une vidéo YouTube dans Facebook. Vous devez partager une vidéo en natif. Et là, vous pouvez espérer d'avoir 0,84% d'engagement. Euh, et alors, les liens. Les simples liens sur Facebook. Voilà, C'est toujours bon de faire quand même un petit refresh. Je mets du texte, je mets le lien vers euh, visitez nos.be. Euh, ben non, ce n'est pas OK, puisque vous aurez un taux d'engagement de 0,08%. C'est-à-dire, autant, autant dire, euh, il est même plus simple et peut-être plus impactant que de distribuer des flyers dans, dans les boîtes postales. Donc euh, voilà, Donc, déjà, ça c'est une chose qu'on constate. On constate aussi une chose, c'est que pour la première fois en Belgique, on perd des gens sur Facebook. Voilà. On perd des gens. On est arrivé à 6,3 millions de personnes qui utilisent Facebook en Belgique, sachant que les années précédentes, on était à 7,5 millions. Et c'est euh, la première fois, c'est historique qu'on commence à perdre des gens sur Facebook. Pourquoi Parce que soit ils se désinscrivent, euh, soit il y a des profils dormants, c'est-à-dire des profils qui ne sont pas fort utilisés et qui donc sont supprimés par Facebook, des doubles profils, des faux profils, mais en plus de ça, c'est une réalité, les gens commencent à, à se déconnecter puisque l'expérience Facebook devient assez... Euh, Assez chaotique. Hein. Donc euh, voilà, ça c'est pour Facebook, c'est la première chose qu'on voit. Donc moins 1,6%, là où d'habitude on gagnait 14% chaque année. Voilà, bon, ça c'est des slides qui veulent dire la même chose. Et alors Instagram, euh, là aussi, ça devient un petit peu problématique. Euh, bon, même si aujourd'hui on est à 4,6 millions d'utilisateurs de, de, en Belgique toujours, on constate quand même un gros déclin, moins 10%. De, 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 de personnes sur Instagram en Belgique, moins 10%. Alors euh, voilà, le but de ce webinaire n'est pas de faire l'apologie et le bien de, de TikTok, mais c'est l'une des, des réponses vient de là aussi. Parce Il y a de plus en plus de gens qui vont shifter sur, euh, sur TikTok. Mais bon, restons dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire Facebook, la Meta Business Suite, etc. Alors, euh, effectivement, vous allez voir que la Meta Business Suite, il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors, y a-t-il des questions déjà, Loris, euh, concernant... Alors, il euh, y a euh, le gîte rural au Cabaret des Oiseaux qui me dit, je reçois en permanence des notifications. Oui. Et quand je regarde, je ne vois rien. C'est surprenant. Oui. Donc, ça, c'est le bug un peu classique de Facebook. C'est l'un des, des... <laughs> des nombreux bugs classiques de Facebook. Alors euh, parfois on a l'inverse aussi, c'est qu'on euh, ne reçoit pas les notifications. Ouais. On a tout l'inverse. Je ne reçois pas les notifications, ni même sur mon téléphone, ni même sur mon profil. Pourtant je suis gestionnaire de ma page Facebook, hein, je veux dire voilà, et je ne reçois pas les notifs. Hein. Donc pas plus tard que ce matin j'ai vu une notif qui date d'il y a six semaines. Voilà donc ouais. euh, ça c'est des choses. Alors je vais vous montrer comment ce qu'on peut voir ceci. D'autres, alors une question. Directement lié au Meta Business Suite et que mmh. personnellement je rencontre aussi, mmh. c'est Marie de la Maison du Tourisme de Charleroi oui. qui me dit J'ai des difficultés à identifier ou taguer d'autres personnes. D'ailleurs, on en parlait juste avant le webinaire. Tout à fait. Euh, donc, d'autres personnes ou événements dans mes postes. Donc, le, le, le fameux arrobas. Ils sont rarement reconnus. Or, ouais. je n'avais pas ce problème sur Creator Studio. Y a-t-il une technique particulière Oui. Alors euh, oui, donc ça, je la garde sur le côté aussi. Okay. Euh, comment voulez-vous qu'on procède Je réponds d'abord à la question concernant les notifications et ensuite le tagging. Et puis après, je, je, je développe. C est, c est, c est vraiment... euh, après, euh, je le dis aux opérateurs voilà, à la fin du webinaire, il y aura une séance de questions-réponses. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. On garde bien, sûr. bien vos questions au chaud. Donc si on n'y répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas on y répondra. De toute façon. Voilà. Voilà. Alors, euh, première chose, je vais quand même faire le déroulé de cela et puis ensuite, je vais vous expliquer effectivement les, les notifications et le tagging. Alors, le tagging, c'est vrai que c'est problématique. Alors, euh, au niveau de la Meta Business Suite, qu'est-ce qu'on a constaté C'est la fameuse disparition du Creator Studio. Donc, le Creator Studio euh, disparaît ou en tout cas est amené à disparaître. Je veux dire, avant la fin du mois, euh, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Euh, voilà, moi, pas plus, loin, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai cliqué sur le Creator Studio et on arrive sur cette page de chez Facebook. Et dit... certains l'ont encore. Et Donc, c est c est certains ça... l'ont encore. Alors, en, en réalité, on peut, si vous voulez revenir sur le Creator Studio, il y a une opération qui permet de le faire. On peut revenir au Creator Studio. Ce sera momentané. Ce ne sera pas. Euh, voilà, ça ne va pas perdurer pendant des siècles et des siècles. Amen. Mais voilà, c'est comme le business manager on peut aussi revenir dessus mais euh, ça génère quand même pas mal de bugs. Ça, c'est une certitude, parce que tout cela est très, très, très instable. Donc, les outils créateurs sont déplacés dans la Meta Business Suite. Et ce qu'on voit, c'est qu'une voilà, fois qu'on installe ceci, on reçoit un écran d'accueil. Bienvenue dans la Meta Business Suite. Nous avons mis à jour la Meta Business Suite pour intégrer vos outils créateurs Studio. Vous disposez désormais des outils créateurs, etc. etc. Alors, les différences... Je ne vais pas vous cacher, évidemment, Facebook va encenser la différence en disant que oui, c'est génial. Néanmoins, il manque quand même pas mal de choses. Hein. Alors, on peut interagir avec vous. <laughs> Je rigole, désolé, mais avec la Meta Business Suite, on peut interagir avec votre audience grâce au contenu et au message. Super, merci. C'est le but de Facebook. On peut mesurer les performances avec des statistiques et des indicateurs. C'était aussi le cas dans Creator Studio. Néanmoins, dans la Meta Business Suite, vous allez voir que… Les statistiques sont, euh, passez-moi l'expression, bordéliques. Hein. C'est du grand n'importe quoi. On n'a plus les mêmes données qu'avant. Il nous manque les heures d'audience, qui déjà, en plus, à l'époque, étaient des heures euh, basées sur le, le méridien de l'océan Pacifique. Hein. Donc, il fallait traduire tout ça. Euh, on a certes encore des statistiques sur les âges, les villes, etc. Mais en termes de performance des publications, ça devient de plus en plus dur. Quoi. Donc, voilà. On peut créer et personnaliser ensemble des contenus Facebook et Instagram. Bon, ben ok, on savait déjà le faire en fait avec, la... <laughs> avec le Creator Studio. Et on peut organiser euh, des fonctionnalités de programmation avancée. En réalité, c'est juste qu'on peut programmer. Donc en gros, il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a une petite différence néanmoins, c'est qu'aujourd'hui, avec la Meta Business Suite, de manière organique, on peut faire ce qu'on appelle un A/B testing. Donc on peut faire un statut avec un texte et une photo, et un deuxième statut avec un autre texte et une autre photo. Et Facebook, Meta Business Suite, va tester ça auprès de l'audience et va voir lequel des deux va le mieux, euh, le mieux fonctionner. Donc voilà. Si jamais vous êtes perdu et vous ne savez pas comment retrouver les outils, c'est très simple. Vous allez de toute façon sur la Meta Business Suite. Je vais faire une démo. Hein. Vous cliquez sur le logo Belfus, hein, en gros. Et vous avez accès ici, effectivement, à, à toutes, les, ben en fait, toutes les fonctionnalités de Facebook qu'on aurait pu retrouver avant dans le Business Manager, c'est-à-dire l'agenda, les contenus, le fil business, la messagerie, les applications, etc. etc. Voilà. Et dans l'onglet Publication, attention, ça s'appelle maintenant Contenu. <laughs> voilà, donc je sais que c'est très perturbant. Moi-même, je suis assez perturbé, mais euh, voilà, c'est une, une habitude à prendre. Donc, l'onglet Publication et Stories s'appelle désormais Contenu. Donc, voilà, faites attention à ça. Et si vous avez besoin d'avoir accès aux paramètres business, ben, c'est très très simple. Vous cliquez sur la petite roue dentée en bas à gauche, et là, à ce moment-là, vous avez accès aux paramètres business de votre page Facebook. Et là, à ce moment-là, on retrouve le fameux business manager de l'époque avec les personnes, qui a accès à quoi, etc. etc. Voilà. Alors, il suffit juste de cliquer sur voir la page, les trois petits points. Je vais faire la démo, hein, paramètres. Et à ce moment-là, on a à nouveau les fonctionnalités de la page. Mais il faut que la page soit liée au Meta Business Suite et, ou en tout cas, au Business, euh, au business Manager. Alors, je vais répondre à la première question. N'hésitez pas à, à commenter, hein. mettez vos commentaires comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur business.facebook.com. Voilà. J'espère qu'il ne va pas me saouler me demander un code, parce que très souvent, il va demander un code qui va être envoyé par SMS. Je vous le recommande quand même, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de, de piraterie, de, voilà, de, de gens qui vont, qui vont prendre votre compte Facebook. Si vous ne ne protégez pas votre compte Facebook avec un facteur à double authentification, qui va encore changer. Mais voilà, aujourd'hui, en avril 2023, voilà, on peut recevoir un code de validation par SMS. Vraiment, je vous le conseille, parce que sinon, après, pour récupérer vos accès, euh, c'est mort. Hein. C'est très, très difficile. Donc ici, on est dans la business suite. Ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai toutes mes notifications. Okay Donc j'ai les messages. De toute façon, ça s'indique ça directement sur la page d'accueil avec ce qu'on appelle la liste des choses à faire. Donc, je vois ici que j'ai des messages. Bon, moi, j'y ai déjà répondu via d'autres outils. Le contenu marketing avec vos publications, vos stories, vos publicités, etc. Tout se met dedans. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de publication, vous avez les publications et Facebook et Instagram, tout mélangé. Bon, c'est vrai que c'est un, un petit peu casse pied. Et enfin, vous avez les stories que vous avez publiées, sur Facebook, ou en tout cas, si vous voulez créer une story sur Facebook et ou Instagram, vous pouvez le faire ici. Mais je ne le recommande pas. Je vais vous montrer où on peut aller. Ici à gauche, vous avez les notifications. C'est là que ça se joue en réalité. Vous avez toutes vos notifications avec euh, les notifications de votre page Facebook, les notifications Instagram, etc. Et vous pouvez aussi filtrer. Voilà. Par exemple, les commentaires. Juste les commentaires. Donc, ce sont les commentaires. Ben voilà le café numérique. Hein. Ce sont les commentaires de publication. Vous pouvez les voir dedans. D'accord Une fois que vous avez cliqué dessus, à ce moment-là, vous avez, vous avez la, la, la totale. Et je sais que c'est déroutant. Hein, parce Donc, on a... peut répondre directement. On peut répondre aux directement sur l'outil. C'est ça, exactement. Donc, si par exemple j'ai les messages, Messenger, Instagram, commentaires, Facebook, commentaires Instagram. Voilà, si je prends les commentaires Instagram, bon, moi ici, tout a, été, euh, tout a déjà été fait. Voilà, si je mets par exemple terminé, je clique sur terminé ici en cliquant sur le, 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 petit, le petit slider, je pourrais venir mettre ici un petit commentaire, tout simplement. Quoi. Voilà, commentaire Facebook, même chose, afficher les filtres, terminé ou non lu, c'est selon hein. moi. Ils ont tous été lus, moi, je vais aller dans terminé. Voilà je peux aller commenter. Voilà, Café Numérique hâte également. Merci, car la collaboration est bonne pour la préparation. Et je peux répondre directement ici, depuis le, la Meta Business Suite. Même chose pour Instagram. Hein. Voilà, vous avez vos... Ben, même moi, je me suis répondu à moi-même. <laughs> voilà, je peux tout à fait aller répondre aux commentaires et aussi mettre des libellés ici à droite. Ça, c'est intéressant. Euh, J'imagine qu'il y a pas mal de... Pas mal de personnes parmi vous qui gèrent un gîte, par exemple. Eh bien, vous pouvez euh, cliquer en disant ceci est un nouveau client, ou la commande est passée, ou euh, créer un prospect, ou au contraire vous pouvez mettre aussi si la personne est un troll. Ouais. <laughs> Donc vous pouvez mettre, vous pouvez gérer les étiquettes et créer une étiquette, voilà, troll, tout simplement. Et alors euh, par rapport aux, aux réponses automatiques, c'est toujours le même principe qu'avant. Alors, c'est un peu plus complexe et d'ailleurs, ça va être revu à nouveau parce que vous savez, maintenant, avec le RGPD, etc., il y a beaucoup de choses qui vont évoluer par rapport au chatbot. Okay. Parce que Messenger est considéré comme un chatbot. Euh, voilà, la petite parenthèse dans la parenthèse, c'est que vous savez que l'Italie a interdit chatGPT. Maintenant, du coup, l'Union européenne va aussi se pencher sur le sujet. Et euh, j'ai lu et entendu, surtout ce matin dans Euronews, que. Euh, les bots messenger vont aussi être impactés voilà mais ici vous avez effectivement l'automatisation hein. voilà vous cliquez ici en haut sur automatisation et vous pouvez créer une nouvelle automatisation en fonction de différents scénarios scénarii pour être correct hein. donc euh, voilà moi en règle générale je laisse, euh, je laisse les, les, les réponses automatiques de base hein. je, voilà, je vais pas je vais pas trop chipoter là-dedans préfère répondre moi-même. Donc, euh, donc voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez tous, vos, tous, vos, comment dire, tous vos, vos toutes vos notifications, que ce soit pour Messenger, pour vos messages privés, pour vos commentaires, etc. etc. Et si, voilà, ici, on a un utilisateur Facebook. Alors, ça arrive parfois. Hein, voilà, utilisateur Facebook. Qui est-ce On ne sait pas. C'est tout à fait normal. Bonjour, j'aimerais savoir le prix de vos formations, la formation vidéo pro avec un smartphone. Bon, voilà. Et ça aussi, c'est dû à un bug ou Pas du tout. En fait, ça, c'est justement, vous voyez que c'est noté chat plugin. Okay. Vous voyez, ici, chat plugin. Pourquoi Parce que lorsqu'on va sur mon site, voilà, il y a le fameux, euh, il y a le fameux petit plugin chat. Ah oui, donc c'est une ça, question qui est posée directement depuis le site internet. Exactement. Depuis le site internet, dès lors. Là, dès lors, si quelqu'un me contacte par ici, ça va être noté utilisateur Facebook. Et là, par contre, vous aurez intérêt à répondre quasi immédiatement. Parce que si la personne sort de votre site web, ben, voilà, on ne sait plus l'identifier. On ne peut ah, plus oui, l'identifier, c'est ça. ça hein. Donc ici, moi, je vais voilà, démarrer une discussion. Voilà. Continuer en tant qu'invité, par exemple. voilà Je mets... Ouais, bon, ici, je ne sais pas pourquoi il bug, parce que évidemment, je suis branché à mon propre site web. Euh, voilà, donc je suis, je suis connecté à mon propre site web, je ne sais pas le faire. Mais en tout cas, il va noter euh, utilisateur Facebook. Voilà. Okay. Vous voyez Donc moi, ici, je mets que c'est OK, c'est classé, c'est fait. Voilà, etc. Et puis j'ai pas mal de spam aussi. En hein, veut on, voilà du spam, ça c'est la chose classique. Donc voilà, les notifications sont là. Hein. D'accord. Alors, je réponds à la deuxième question et puis euh, on va voir si on a d'autres. Et puis, on va passer à travers le, 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 la Meta Business Suite. Si je veux effectivement taguer une page Facebook, alors il faut savoir deux choses. C'est que parfois, certaines pages Facebook interdisent le tagging. Typiquement, euh, voilà, je prends une marque très connue, Carrefour, Carrefour Belgique. Euh, à l'époque, en tout cas, on ne pouvait pas les taguer, tout simplement. Deuxième chose, admettons qu'effectivement, je veux taguer… Euh, la page, je ne sais pas, Technofuturtic ou Visite hein. et voilà, Je vais voilà. Facebook.com. C'est toujours une grosse surprise. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Lorsque je lance mon Facebook.com, ça va, c'est propre, tout va bien. Visite et par exemple. Voilà. Agence de voyage. Très très bien. Alors, on serait tenté de créer une publication effectivement sur Facebook. Un petit moment d'attente, ça charge. Hein. Ça aussi, il faut savoir que Facebook euh, met du temps à charger. Si je mets coucou, at, visite et no, ici, il va me l'afficher. Oui, il est là. Il est là. On a de la chance. Pourquoi est-ce qu'on a de la chance Tout simplement parce qu'en réalité, votre username ici en haut dans la barre d'adresse URL, c'est visite et no. Maintenant, parfois, vous avez des pages qui sont un petit peu plus complexes. Au niveau de l'URL. C'est ça, au niveau de l'URL. Donc, typiquement, je ne sais pas moi, officiel officiel, ça, ça va. Je vais aller voir. Euh, voilà, comme ça, vous savez aussi, je gère la page de Lumons officiel. C'est parce que moi, ici, justement, c'est une question de Marie de Visite Charleroi et ça concerne Visite Charleroi. Oui. roi Quand je fais une publication et que je veux taguer Visite Charleroi, je n'arrive pas à les taguer. Alors, Donc, je ne sais pas s'ils ont paramétré ça ou si c'est dû probablement. à. Probablement. Oh bah pourtant, c'est Visite Charleroi. Le username ouais, est assez lui simple. Lui, lui, lui. Est euh, on, va, on va tester. Alors, je vais mettre at Visite Charleroi. Et okay. là, voilà. Alors déjà. Mais moi, je n'ai que cette page-là, celle avec le V comme ça. Moi, je n'ai que ça que hein. ouais. Voilà. Et ça, Et toi, typiquement, ça malheureusement, je suis désolé de vous le dire, ce sont des bugs inhérents à Facebook. C des, c ce sont des bugs. Voilà. Tu n'as pas accès. Moi, manifestement, je n'ai pas accès. Je peux vous assurer que je n'ai aucune relation privilégiée avec Marc Zuckerberg, ni avec son chien, et encore moins avec sa femme. Et euh, voilà, Ce sont des bugs inhérents à, à Facebook. C'est très, très fatigant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais parfois, il peut arriver effectivement qu'une page ne peut pas être taguée. Voilà. Tout simplement parce que la page a interdit le tagging mm -hmm. de. Euh... De, de, de la page dans des commentaires ou dans des, dans des publications. Donc voilà. Mais faites bien attention à ça, c'est que voilà, lorsque vous voulez taguer une page, allez d'abord vérifier quel est son username. Voilà. Si je mets euh, euh, je vais mettre la haute école Waroque, je pense. Voilà. Faculté Waroke, okay, je sais que ils ont un, un, Si je ne me souviens, ils avaient un nom de domaine assez complexe. Mais encore, non, ici, c'est Waroke. Okay. Voilà. Et vous voyez, c'est faculté Waroke. Okay. Donc, si je veux taguer faculté Waroke, okay, il est fort possible que du coup je ne la retrouve pas. Je dis bien, il est fort possible. Voilà, ah, là, est elle est là. Là, là j'ai de la chance. Voilà, c'est la loi de Murphy. Mais si vous ne saviez pas comment la taguer, vous mettez le Hat et vous mettez. War ok, et puis ensuite vous allez choisir faculté Waroké. Okay. Donc je vous invite à toujours aller regarder en amont comment est-ce que je tag. Voilà et attention parce que si je, si je décide de publier sur la page Facebook et Instagram, évidemment les noms d'utilisateurs ne sont pas du tout les mêmes. Ça. Donc faites, faites attention à ça. Voilà c'est pour ça que moi je recommande toujours publier sur Facebook vous faites publier sur Facebook publier sur Instagram vous faites publier sur Instagram si vous devez taguer des, des partenaires. Si maintenant okay. un simple statut, parfois vous pouvez y aller. Donc euh, voilà pour le, pour le tagging des pages. Mais je sais que c'est très, euh, très perturbant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en suspens en tant que j'y suis euh, Donc, toujours Jitrurel au cabaret des oiseaux qui mm -hmm. me dit... J'ai mis un lien vers ma page web et maintenant les gens me disent que le lien ne fonctionne pas. Ça, à mon ah. avis, c'est plus le site web et pas la. Ça, c'est plus, le... plus le site web qui ne... qui ne fonctionne pas. On pourrait faire un test si vous voulez. Dites-moi quelle est l'adresse URL du site web et puis comme ça, on va. On non, va... Je ne pense pas que ce soit un problème lié à Facebook. Je ne pense pas que ce soit un problème lié à Facebook. C'est euh, bah, le site web est bloqué ou il n'est pas en HTTPS, etc. etc. Ouais. C'est euh, voilà. Eh bien, c'est un site chinois et Facebook n'aime pas. Donc je plaisante bien entendu. Voilà. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres euh, Alors, une, qui, une question à l'instant mm -hmm. euh, de Noémie Petit qui dit Pourriez-vous m'indiquer quel type de publication aura le plus d'impact ou sera la plus vue Est-ce que mm -hmm. ce serait une publication avec uniquement du texte, une avec texte photo, une avec texte vidéo, oui. avec URL, etc. Voilà. Est-ce en lien avec le pourcentage que vous avez donné précédemment alors, c'est en lien de toute façon avec le pourcentage que j'ai donné précédemment, effectivement. Néanmoins, une publication, euh, ça, et ça, on l'a observé euh, sur des, 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 des centaines, des milliers de pages. Euh, et moi-même, je, je, je le constate quasiment tous les jours pour les pages Facebook de mes clients. Une, pa une page Facebook qui va contenir 4-5 photos, donc typiquement un album, un album photo avec du texte et un lien va générer beaucoup plus. Petit 1 de portée et deuxièmement d'engagement. Pourquoi Parce que les gens préfèrent voir effectivement sur Facebook. On est curieux. Hein. C'est la nature humaine. On est curieux et on va aller voir des. Euh, voilà, typiquement, vous voyez ça, par exemple. Voilà. C'est un album photo. Déjà, le simple fait qu'il y ait voir plus, bah, ça va générer un peu plus d'engagement. Et le simple fait qu'on ait un album photo qui nous permet de passer en revue des photos, eh bien, ça va mieux fonctionner. Donc, dans l'idéal, c'est ce qu'on fait, par exemple, pour Lumons. Hein, je prends cet exemple-là parce que c'est le, le client pour lequel je travaille. Hein, pas... Voilà. On voit ici que typiquement, ben voilà, des photos avec des visages. Ça, c'est important. Donc, des photos prises au smartphone avec de l'humain dedans va mieux fonctionner qu'une publication, par exemple... Euh, simplement un, un, un bête lien ou euh, une simple photo. Voilà. Dès qu'on met effectivement un, un, un album photo avec des visages, ben, boum, boum, là, d'office, on va avoir beaucoup plus de, de, de personnes. Pourquoi Parce que les gens ont envie d'aller voir. Est-ce que je suis dessus Ou est-ce qu'il y a d'autres photos Surtout quand on voit 5 photos plus 8. Ouais. On est curieux, c'est logique, c'est naturel. Et la chose aussi, c'est que si je prends, par exemple, euh, voilà cette photo, hop, je fais inspecter. Ça ne marche que sur ordinateur, hein. la, la manœuvre que je montre. Je fais inspecter. Voilà. Facebook va reconnaître, l'intelligence artificielle de Facebook va reconnaître ce qu'il y a dans l'image. Ce peut être une image de deux personnes, personne assise et intérieure. Et Facebook, ben, OK, je ne vous prends pas pour. Euh, pour, pour des fous, vous savez très, très bien que c'est un réseau social et donc un réseau social, c'est amené à mettre des gens en relation avec des gens. Et dès lors, ben, à partir du moment où vous avez des photos avec des gens qui sont représentés dessus, eh bien, ça va générer beaucoup plus d'interactions, tout simplement. Donc voilà. Par contre, des photos type euh, avec un visuel comme, comme celui-là, euh, c'est pas… Euh, voilà, ça, 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 ça ne cartonne pas. Ça ne fonctionne pas des masses. Hein les infographies type euh, Canva, etc. Quand bien même vous allez me dire oui, on voit des visages humains dedans. Euh, si je fais inspecter, voilà. C'est peut-être une image de quatre personnes et texte qui dit l'espace vers l'infini, blablabla. Bla, bla. Mm -hmm. Ça fonctionne beaucoup moins. Donc euh, C ça. Voilà. Donc j'ai envie de dire en, en réalité, une publication Facebook, faites en sorte qu'il y ait au moins deux, trois photos. Euh, si vous voulez montrer une infographie, ok, pas de souci, vous pouvez montrer une infographie, mais en amont, vous mettez une photo où on voit quelqu'un d'humain, vous mettez du texte avec des emojis, bien entendu, il ne faut pas non plus que ça ressemble à un sapin de Noël, on est bien d'accord, et enfin, après, vous mettez le lien vers le site internet, et jamais juste mettre le lien vers le site internet, et mmh. puis après mettre son texte, parce qu'autrement, il, voilà, il va générer ce genre de, 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 de preview, on appelle ça un preview, quoi. Et ça, ça ne va pas fonctionner. On le voit hein, dans les stats, c'est 0,08%. De... Toujours mettre un visu... accompagner le lien d'un visuel. visuel. D'office invisuel. La vidéo, vous avez vu, ouais, ça marche, mais pas autant que sur Instagram. La vidéo sur Facebook, c'est bien, mais pas autant que sur Instagram. Et alors, très étrangement, une vidéo qui fait plus de 3 minutes euh, va mieux fonctionner en portée, mais pas en engagement. Les gens ne vont pas regarder une vidéo de plus de 3 minutes. On sait très bien qu'une vidéo, ben, au bout de 10-15 secondes, euh, voilà, les gens se, se barrent. Quoi. Voilà. Néanmoins, l'algorithme de Facebook va favoriser les vidéos qui font plus de 3 minutes. Voilà. Pourquoi Parce qu'elles vont se retrouver ici dans le bouton en haut Facebook Watch. Voilà. Pour concurrencer qui ben, concurrencer, euh, euh, concurrencer YouTube, etc. Quoi. Donc voilà. On a une question ici plus générale oui. de Véronique qui dit ce meta business suite est-il un outil indispensable si on est présent que sur Facebook Pour programmer, oui, parce que il euh, y a une réalité sur euh, sur Facebook, c'est que les publications qui sont diffusées le soir, à partir de 19h30-20h, je dirais même 20h30, hein, très étrangement entre la fin du JT sur TF1. Et le premier épisode de Joséphine Ange Gardien ou Cauchemar en Cousine, peu importe. Mmh. Voilà, donc pendant les pubs, on a fini de manger, la vaisselle tourne, euh, les enfants sont couchés, enfin normalement. Et euh, voilà, 8h30, les gens sont chill, posés dans leur salon, sur l'ordinateur ou sur le smartphone et consultent Facebook. Dès lors, à 8h30, j'ose espérer pour vous que quand même, vous, vous avez aussi une vie et donc, on va programmer une publication. Et pour programmer la publication, idéalement, on passera par la Meta Business Suite. Alors, il y a d'autres outils. Hein. Il y a des outils euh, semi-gratuits, il y a des outils payants, etc. Mais on n'aura jamais la même portée que sur, euh, que sur la Meta Business Suite. Facebook va détecter ça. Ben déjà, Facebook va détecter à partir du moment où une publication est programmée. On aura déjà déjà d'office un peu moins de portée. C'est moins authentique pour lui, dans son algorithme. Hein, j'ai déjà fait le test. J'ai publié en live à 8h30 et j'ai publié en programmation à 8h30. Donc, c'est-à-dire c'est comme si on avait deux, deux fois la même publication, mais celle que j'ai publiée en live a eu plus de portée. Voilà. Bon, Ce n'est pas énorme hein, non plus. C'était 13% en plus par rapport à la portée euh, classique. Hein. Bon, Ce n'est pas génial, génial non plus. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, la réponse est oui, idéalement. Et puis, euh, surtout pour l'analyse et les statistiques qu'on va voir d'ici euh, un, un petit moment, euh, la Meta Business Suite offre tout ça. Et puis, surtout, pour faire de la publicité, ben là, on n'a pas le choix. Voilà, parce que malheureusement, c'est ça, ça le problème aujourd'hui avec Facebook. C'est que quand on a de moins en moins de portée, ben on va tenter de faire Merci de plus en plus. Voilà, pas exactement. Ce sont des techniques de dealer. Hein. Merci Meta. Hein, Vous avez bien goûté le produit, c'était gratuit, c'était génial. Ouais, ben maintenant il faut payer. Voilà. En gros. Et même les performances publicitaires commencent à décliner. Ça faut le savoir aussi. Les performances publicitaires sur euh, sur Facebook ont décliné d'à peu près. Moi ce que j'ai observé en deux trois ans, ça a décliné 30%. C'est énorme c'est énorme. Donc euh, donc faut passer à la caisse et encore plus passer à la caisse, et encore plus passer à la caisse, oui idéalement. <laughs> il faut choisir sa guerre quoi. Donc euh, donc euh, donc voilà mais ouais, Meta Business Suite, c'est intéressant d'autant plus si vous travaillez avec des agences externes ou ou des gens qui doivent s'occuper de la partie publicitaire ou vous travaillez avec un une ou des stagiaires ou leur donner accès momentanément via le business euh, enfin business manager c'est-à-dire via la Meta Business Suite et une fois que la personne a fini son stage ben OK on retire la personne de la Meta Business Suite. Voilà. Imaginons que vous gérez 3 4 5 6 pages euh, Facebook. Là, À ce moment-là la Meta Business Suite c'est d'office, vous pouvez pas faire autrement. Ouais. Voilà. sinon vous allez vous retrouver avec des notifs dans tous les sens. Donc euh, donc voilà, je sais pas si ça répond aux questions. Euh, déjà pour l'instant, est-ce qu'il y a d'autres questions en suspens ou bien je... pour le moment pas Tu peux non. y aller. Je peux y aller. Donc voilà, donc la Meta Business Suite, ben, l'accueil est là. Hein. Donc, je vous dis, c'est ici où vous allez voir euh, toutes les choses à faire. Alors de temps en temps, voilà, euh, euh, Facebook va vous indiquer ici quoi de neuf avec la Meta Business Suite, hein, les nouvelles fonctionnalités, les actualités, les annonces. J'avoue que moi, je ne vais jamais le lire là-dedans, hein, parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, je suis un petit peu en retard en termes de, en termes de nouveautés. Hein. Donc, le dernier article date du 24 juin 2022. On est bientôt le 24 juin 2023, à l'eau Ici à gauche, on a les notifications. Donc, les notifications, je vous ai bien dit, hein, le souci, c'est qu'effectivement, voilà, vous devez choisir vous-même dans le filtre. Est-ce que c'est des commentaires, des recommandations, Instagram, compte business, etc. Voilà, rappel de message. Vous voyez qu'ici, il n'y en a pas. Mais si je vais dans commentaires, c'est à partir du moment où je clique sur commentaires qu'à ce moment-là, il ouvre une autre page avec tous les messages, Messenger, Instagram, commentaire Facebook, commentaire Instagram. Voilà. Ou bien vous cliquez directement ici à gauche sur messagerie. D'accord Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez l'agenda. L'agenda, c'est pas mal. C'est intéressant. Ça vous permet de voir ce que vous avez publié ou en tout cas de programmer et de voir un petit peu euh, quelles sont les différentes publications qui ont été programmées dans la Meta Business Suite. Voilà. Alors, admettons que je veux programmer une publication, je peux programmer une publication, je peux programmer une story, que ce soit une story Facebook et ou ça, Instagram. Ça, c'est une nouveauté, ça. Hein ça, c'est une nouveauté, oui. Ça, c'est une nouveauté. On ne peut pas programmer, je pense, sur euh, Creator Studio. Sur le Creator Studio, on ne savait pas. C'était. Euh... Et encore, je trouve que ça reste quand même moyen. Hein. Ça, je... Je... Sincèrement, pour Instagram, je préfère passer par instagram.com. Donc depuis le browser, hein, depuis le navigateur, sans spécifiquement passer avec le téléphone. Et pour quelle raison Question d'algorithme Alors c'est pas une question d'algorithme, c'est une question par exemple de vidéo. Parce que voilà, si je veux créer un réel, ok, je vais programmer un réel. Alors, il se peut qu'évidemment aujourd'hui, tout d'un coup, ça fonctionne. Je vais aller dans mon Dropbox et aller sur euh, Desired. Ce que je veux vous dire, le temps que je trouve la vidéo, c'est que les vidéos de plus d'une minute, il veut pas. Okay. Alors qu'en réalité, on peut tout à fait faire des vidéos de, 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 de même de 4 heures. Il hein. n'y a pas de souci. C'est possible. Il hein. n'y a aucun souci. Mais euh, là, il, il ne veut pas. Donc, ici, je vais prendre mon Charleroi. Voilà. Shooting micro-trottoir, voilà, je vais prendre les exports, boum, celle-ci, ouais, ok. Je prends la V1, on s'en fout. Voilà, je coupe le son, hein, euh, parce que c'est très pénible. Donc ici, il va, alors, il va mettre du temps à l'uploader, la, à, la, à, à la téléverser, mais très souvent, lorsque je veux programmer, il va me dire ben non, ça n'est pas possible. Tout simplement parce que eh, la vidéo fait plus d'une minute. Et c'est assez frustrant, hein, parce que là, il est en train de travailler, d'uploader, machin. Et au moment où je vais vouloir le, le programmer, ça ne va pas aller. Quoi. Donc, voilà. Bon, ici, je peux le mettre effectivement sur ma page Facebook, mais si je le mets sur Insta, il continue à le téléverser. Mais à un moment, il va me dire que ça n'est pas, euh, pas OK. Mais si je reviens sur l'agenda, en tout cas, ici, on peut, voilà, on peut programmer des publications. Donc, je clique tout simplement sur Programmer, je vais mettre Programmer une publication. Il voilà. faut du temps. Hein et ça, par contre, c'est quand même quelque chose de très intéressant dans la nouvelle, dans la nouvelle mouture de, de Meta Business Suite. On a, je ne pense pas qu'on avait ça dans le Creator Studio et certainement pas ça dans le, le Business Manager. C'est que Facebook va nous indiquer à quel moment notre audience est la plus active. Ça, c'est top. Ça, c'est intéressant, oui. Vous voyez Et comme je vous le disais, je suis content que Facebook soit d'accord avec moi, c'est que je peux publier ce soir à 20h ou demain à 20h ou jeudi à 20h. Voilà. Donc, 20h, d'après mon audience, d'après mes fans sur ma page Facebook. Hein, Parce que mais ça... souvent, c'est quand même en fin de journée. Hein. C'est vraiment en fin de journée. Euh, ou voilà. c'est 18h30, 19h. Voilà, 18h30, 19h. Euh, ici, pour la page du monse aussi, on a des différences, hein, ouais. évidemment, parce que ce sont les students. Bon, les students, à partir de ouais, 5 heures du soir, même 18 heures, effectivement, là, ils sont un peu plus actifs. Euh, 20, heures, bon, ouais. ben, 20 heures, par contre, ils seront ailleurs. Et ouais. c'est pareil pour Instagram Alors, Instagram, par contre, c'est vraiment, j'appelle ça le réseau social des, des rêveurs. C'est plutôt… 9h, 9h30, euh, voilà, dans ces eaux-là, voire même 22h, 22h30. c'est encore, euh, encore plus tard. Ouais. C'est encore plus tard, On jette un dernier coup d'œil à Instagram avant, avant d'aller dormir. Enfin, nous les vieux, on va dormir à 22h30. Euh, voilà. Mais euh, voilà, Instagram, c'est plus tard que Facebook. Okay. Et euh, c'est logique aussi, parce que le, la tranche d'âge est un petit peu plus jeune sur Insta que sur Facebook. Facebook, c'est plutôt 35-44 ans. Instagram, c'est plutôt oui, bah 20 ans, fatalement, mais la, la grosse moyenne, c'est 25-34. C'est vraiment, c'est rangé par slot. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ici, voilà, il m'indique, voilà, si je veux publier aujourd'hui à 20 h voilà, je fais enregistrer. Je mets mon super texte, pardon, je mets mon super texte ici. Et vous voyez qu'ici, à droite, on a un preview. Ça, c'est pas mal aussi. Par contre, vous voyez, il n'a pas pris le reste. <laughs> On voit que sur le téléphone mobile, c'est comme s'il allait afficher que la lettre M. Ah, voilà, il met du temps. Donc, je mets mon super texte ici. Je mets effectivement une photo. Je vais ajouter soit depuis l'ordinateur, soit depuis le gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire une photo qui a déjà été euh, téléversée dans, 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 dans ma page Facebook. Bon, ici, évidemment, il ne la trouve pas, vous voyez alors, je vais ajouter une photo, je vais prendre ceci, okay. bon, par exemple. Voilà, il met un petit temps pour la téléverser. Et vous pouvez la modifier en vous besoin. Vous pouvez mettre des filtres, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez rajouter des stickers, vous pouvez mettre un texte alternatif. Le fameux texte alternatif, c'est ce qu'on voit. Est, ceci est une photo qui représente une personne debout, intérieure, machin. Donc, à la base, c'est fait pour les, pour les personnes qui sont malvoyantes, mais on pourrait l'utiliser aussi pour un petit peu booster le. C'est pour le référencement, la démocratie. À la base, c'était pour le référencement, mais ouais. on pourrait aussi l'utiliser un petit peu pour booster la, la visibilité de la photo. Moi, sincèrement, je ne l'ai jamais fait, ouais. mais je sais que certaines personnes euh, peuvent le faire. Alors, on peut renier et choisir nous-mêmes quelle partie de la photo, ou au contraire, on la met en horizontale ou en verticale, mais en format 4-5. Voilà. Et alors, évidemment, vous avez vos, vos stickers. Voilà. Vous pouvez rajouter un sticker. Voilà, c'est toujours très mignon, c'est cool. Voilà. Alors, il faut savoir que tous ces petits éléments qu'on va rajouter dans Facebook, ça va augmenter aussi la, la portée. Hein. Ça, c'est... D'où l'intérêt à nouveau de la Meta Business Suite. Hein. C'est comme sur Instagram. Quand vous faites une story sur Instagram, dès le moment où vous mettez des stickers avec des cœurs, des sondages, etc., là, on va avoir un petit peu plus de, un peu plus de portée. Mais bon, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais euh, voilà. Et au besoin, vous pouvez rajouter du texte. Hein, voilà, tout simplement. Vous mettez ceci, ceci est du texte. Voilà, magnifique. Je suis très inspiré aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et on va mettre du bleu. C'est carrément affreux. Mais pas Et donc ça, ça le texte alternatif ne va pas se voir. Non. Sur le texte alternatif, c'est euh, euh, ceci. Est une photo euh, de couverture de la vidéo de l'UMONS, par exemple, sur les cours de gestion. Voilà. Par exemple, tout simplement ça. Voilà. C'est vraiment, c'est pour... D'une part, j'ai envie de dire que c'est pour l'algorithme, même si à la base, ce n'est pas fait pour ça. Mais c'est super, euh, c'est surtout pour, euh, pour les personnes malvoyantes. Il y a des personnes qui ne voient pas et donc la balise Alt, c'est le... de l'alternatif. Donc, je mets mon super texte, j'ai mis ma super photo ici et puis enfin, je vais mettre mon petit lien ici, mon lien vers mon site web. Voilà, https://desire.be. Voilà. voilà, et je publie. Alors, vous avez vu ici, vous avez écrire la publication dans une autre langue. Bien, sachez que c'est encore possible fort heureusement aujourd'hui sur justement sur la meta business suite. C'est une fonctionnalité qui avait disparu, qui réapparaît, qui revient. Hein c'est euh, voilà par défaut mon texte va figurer en français parce que ma page Facebook est en français. Mais si vous voulez afficher une euh, comment dire une, euh, une variante en anglais, vous pouvez aller ajouter vous-même votre propre traduction. My super fancy text hein, and my link to my website. Voilà, il l'a fait. Voilà et vous pouvez rajouter jusqu'à cinq langues différentes. Donc ça, c'est pas mal. Ce sera juste qu'il va s'afficher ici en fonction de la langue du navigateur et de la langue de l'utilisateur. D'accord Après, ben, vous avez les fonctionnalités classiques, hein. les émotions, très important. Je me sens surexcité. Voilà. C'est quelque chose de positif. J'enregistre. La géologue, hein, très important. Alors la géologue, des fois ça va, des fois ça ne va pas, je vous avoue. Je vais mettre Charleroi. Ou bien je peux mettre Techno future tic, Voilà, je suis à Techno future tic, voilà. Très très bien. Et vous pouvez rajouter des boutons euh, vous rajouter des boutons Messenger ou un lien vers le site web. Le seul truc du coup, c'est qu'il faudra supprimer la photo. C'est un peu embêtant. Voilà. On ne peut pas tout avoir non plus. Euh, voilà. Et alors on peut aussi faire du euh, A-B testing. Mais pour l'A-B testing, du coup, il va falloir virer le se sent surexcité. Et je pense même que de toute façon, voilà, même les lieux, il faut les virer. Voilà, test AB. Et à ce moment-là, on va pouvoir, euh, ça je vais le montrer après, on va pouvoir mettre plusieurs textes. Et voilà, ce texte-là ou ce texte-là. C'est euh, Facebook qui va, qui va décider. Et enfin, voilà, on arrive à la, à la programmation. Voilà, je vais mettre 8 heures du soir. Et pour être vraiment, voilà, pour être vraiment plus ou moins organique, je vais mettre 8 heures 3. Il n'y a personne qui poste à 8h00, ce serait un coup de chance. D'accord Et enfin, admettons, je dis bien admettons que vous vouliez euh, limiter votre publication à certains âges. Bon, dans votre cas, ça n'a aucun intérêt, mais on pourrait dire voilà, il faut avoir 21 ans ou 25 ans et plus, etc. Donc, typiquement, c'est tout ce qui est euh, alcool, etc. Mmh. Ou des lieux. Voilà, vous pouvez taper des pays, des régions, des codes postaux, etc. Alors, si moi je décide que ma publication ne figure qu'à euh, Mont-sur-Marchienne, s'il veut bien, voilà. Coucou à ceux qui habitent pas loin de Mont-sur-Marchienne. Mais en organique, les publications Facebook sont déjà fort restreintes. Elles sont déjà en fort restreintes. ça, on restreint encore plus. Alors, oui et non. Parce que si vous avez une page Facebook où, admettons, vous avez la chance d'avoir 10 000 fans, ouais. vous allez restreindre. Typiquement, vous faites une action sur un gîte à Namur, mais pas à, à Durbuy, par exemple. Voilà. Mmh. Euh, bah, dès lors, à ce moment-là, il va, il, va, il va cibler en fonction du fil d'actualité les personnes qui habitent à Namur et pas à Durbuy. Donc, on peut mieux toucher les personnes. Ouais. Voilà. C'est plus pertinent. C'est plus pertinent. Mais pour ça, effectivement, il faut déjà une grosse, grosse, grosse communauté. Voilà. Il faut au moins 10 000 fans. Parce que le souci, en fait, ça aussi, comme ça, vous le savez, euh, une page Facebook qui a plus de 10 000 fans, eh bien, malheureusement, son engagement sera encore plus bas. Donc, dès lors, il vaut mieux cibler. Ou passer à la caisse. Hein, C'est plus simple. Quoi. Donc, voilà. Ici, voilà, je l'ai fait pour l'exemple, mais bon, je ne vais, je vais, je vais pas le faire. Et à ce moment-là, on fait programmer. Voilà. La publication va être programmée. Et vous voyez que Facebook est très, euh, est très orienté sur la thune. Hein. Est-ce que vous voulez la booster, la publication Non, peut-être plus tard, hein, on verra. <laughs> voilà. Et à ce moment-là, la publication, vous voyez, elle apparaît dans mon calendrier, en fait. Et ça, c'est top. Et vous pouvez faire la même chose pour Instagram, pour une story, pour un réel, euh, lancer un direct, etc. etc. Donc, vous pouvez vraiment tout programmer là-dedans. Là, là Donc, ça, ça, c'est bien. Je vais voir si je n'ai pas d'autres publications qui ont été publiées, parce que normalement, voilà, vous voyez, le jeudi 23, j'avais fait une publication. Donc même les publications organiques que vous avez faites, elles apparaissent aussi dans votre calendrier. Voilà, Donc, je vais aller sur moi, hein, parce que je, comme vous voyez, toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Je ne publie pas beaucoup, moi je suis toujours en formation. Donc voilà, mais ici, on voit les différentes publications qui ont été, euh, qui ont été diffusées, à quel moment, etc. etc. Donc voilà pour le calendrier. Est-ce qu'il y a des questions le temps que je continue sur le contenu euh, Pour le moment, non. C'est bon, tu peux continuer. Super. N'hésitez pas hein, à, à, à indiquer en commentaire si quelque chose n'est pas clair, si je vais trop vite, ou si au contraire, vous dites, ben voilà, il faudrait avoir des choses un peu, plus, un peu plus poussées. Alors ici, le contenu. On a l'onglet contenu. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ben, C'est là, en réalité, que vous allez voir une partie de vos publications, mais aussi euh, les publications dans lesquelles vous allez être tagué, etc. Donc c'est ça aussi c'est assez voilà c'est assez c'est assez comp complexe et compliqué, euh, d'autant plus qu'il va euh, mélanger, il va mélanger et Facebook et Insta, etc. C'est assez euh, c'est assez ouais, c'est assez complexe. Donc on a les publications publiées. Donc là je vais dans contenu publication et réel donc on a les publications publiées celles qui sont programmées. Normalement, celle que j'ai programmée, elle va apparaître ici. Voilà. Je peux la modifier, voilà. je peux la booster, la dupliquer, la reprogrammer, la déplacer vers les brouillons, etc. Des brouillons, j'en ai pas. Alors sachez qu'on peut aussi faire des brouillons. Hein. Votre stagiaire ou votre compagnon, votre compagne, crée des statuts dans Facebook et va les sauver comme brouillons. Après, vous pouvez aller les observer, les voir et ensuite les... Les corriger. Et vous avez aussi des publications qui peuvent arriver à expiration. Alors, typiquement, vous faites, un... bah, vous faites une publication organique avec un code promo pour un gîte. Et voilà, c'est jusqu'à ce soir minuit. Et, voilà. Et le soir à minuit, 00, la publication disparaît de votre page Facebook, mais aussi des personnes qui l'ont partagée. Fort heureusement, hein. vous pensez bien, sinon. Et donc, voilà. Donc, oui. euh, à qui euh, le plus malin trouvera la publication avant minuit Donc, voilà. Bon, c'est très rare aussi que je l'utilise parce que, bon, déjà, avec l'algorithme de Facebook, déjà pour que notre publication soit vue, euh, c'est quelque chose, mais sachez que, euh, que c'est possible. Et ensuite, on a les, publi les publications qui sont expirées. Donc, c'est celles que vous aurez. On peut quand même les voir, même si elles sont expirées. Voilà, voilà. Vous, en tant que, en, vous, oui, en tant ça que ça. community manager, vous savez les voir. Et éventuellement, vous pouvez les, les, les dupliquer ou, ou refaire une action, euh, etc. Quoi. Donc, ça, ce sont les publications et les réels. Ici, on a aussi les stories. Donc, les stories, bon, de nouveau, moi, je n'en ai pas faites. Mais si vous avez des stories qui sont actives, planifiées ou en tout cas archivées, vous les, vous les voyez ici, en toute, euh, en toute logique. Voilà. Archivé, vous voyez qu'il hein, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il met du temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, euh, très fatigant pour l'instant sur la nouvelle Meta Business Suite. Et que, voilà, quand vous allez chercher quelque chose, il met du temps à charger. Ici, les, voilà, les, les, les stories qui sont archivées. Donc, fatalement, une story, au bout de 24 heures, elle disparaît. Sauf si vous l'avez mise à la une, tant sur Facebook que sur Instagram. Mais dès lors, elle va disparaître et vous allez les retrouver ici, tout simplement. Donc, archiver. Je vais prendre, je sais pas, moi, je vais prendre celle-ci. Je hein, suis novembre 2022. Voilà. Il est en train d'aller rechercher. Voilà, et on voit le, la story, ce qui a été diffusé. Par contre, vous voyez, il y a un onglet spectateur, ben, il n'affiche rien. Voilà, un des nombreux bugs de Facebook. Alors, vous pouvez la supprimer si jamais vous avez fait une erreur. Vous dites, euh, écoute, euh, voilà, c'est bon. Mais comme elle est archivée, euh, on s'en fout. Les tests AB, c'est là où vont euh, s'afficher les fameuses publications dont je vous parlais tout à l'heure. Je dis que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un test AB. Euh, voilà. Alors, c'est très, très simple. Faites un test AB. Version A, vous allez mettre une, une image. Et version B, vous allez aussi mettre une image. Sauf qu'on va changer l'image. D'accord Alors, le texto, bah, fatalement, c'est le texte. Ceci est mon texte avec ma magnifique auto. D'accord voilà. voilà. Et puis, je vais faire la même chose ici. La seule chose que je vais changer. C'est que je vais changer de photo. Voilà, Alors je vais mettre V2, voilà, c'est très très bien. Celle-là, par exemple. Et pour la version B, je vais mettre. Euh... Bah, je vais mettre une autre photo, évidemment. Et que je vais aller chercher dans mes téléchargements, par exemple. Boom, d'ajout, tac Voilà, des screenshots de, de TikTok. Voilà, par exemple. Tout simplement. Et là, vous faites un test AB. Et là, Facebook va lui-même déterminer. Après, euh, après le téléversement, va lui-même déterminer. Il va d'abord tester auprès d'une toute petite audience, une cinquantaine ou une centaine de personnes. Et puis, il va, il va voir. Est-ce que c'est celle-ci ou celle-là qui fonctionne Et vous donnez un nom à votre test. Hein. Voilà. C'est intéressant, cette euh, fonctionnalité-là. c'est pas mal du bien. tout. Ça, c'est franchement… Pour une fois, ils ont... <laughs> il y a quand même des bonnes choses dans la meta-business suite. Ouais. C'est ça. ça. Je trouve ça pas mal. Quand. Voilà, testing for je the crois time. que sur la fin, c'était aussi disponible sur le créateur. Mais, euh, oui, mais, mais il, fallait, euh, il fallait creuser. Hein. Ouais. Il fallait vraiment aller très très loin. Des fois, il s'affichait, des fois, non. Ouais. C'était très... Euh, euh, voilà. Et c'est vous aussi qui allez déterminer, par contre, qu'est-ce qui va faire que cette publication fonctionne. Est-ce que ce sont les réactions, l'engagement, le nombre d'impressions, etc. etc. Et là, vous pouvez aller choisir. Oui, donc il faut déterminer l'objectif de la publication. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, typiquement, si vous voulez avoir des réservations en ligne, ben, clique sur un lien. Voilà. Ça, c'est une chose. Durée du test, vous allez, vous allez choisir aussi. Hein. C'est 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 24 heures maximum. Pas plus. Ben, Au-delà, euh, oui, il faut bien qu'il fasse. Euh, il hein, <laughs> faut bien qu'il fasse euh, son choix. Hein, on ne va pas tester pendant 200 ans. Donc, euh, voilà. Et alors, vous pouvez publier maintenant. Ou le programmer et ça c'est pas mal du tout voilà et vous choisissez à quel moment vous allez le programmer là moi je vais mettre le 5 avril à 8h02 il met heure de vienne allez savoir pourquoi mais voilà. 8h02 c'est l'heure de vienne et vous faites programmer voilà ça c'est vraiment pas mal en tout cas c'est vraiment une, une, une. Et donc, ça, c'est envoyer un échantillon, mais de sa propre page Facebook, de sa propre audience. C'est ça, c'est ça, de votre propre audience. Hein. Donc, oui. vous avez, voilà. Donc, à nouveau, si vous avez 100 fans, c'est bien. Si vous en avez 1000, c'est mieux. Si vous en avez 10 000, c'est encore mieux. Hein. Donc, euh, voilà. Et comme ça, on sait voir en tout cas quel texte et ou quelle photo va générer le plus de clics ou de commentaires ou de partages, etc. Donc, ça, c'est vraiment top. Ensuite, vous avez le fil et la grille. On va bientôt arriver aux mentions et aux tags, hein, parce que c'est là que, voilà. Le fil et la grille, euh, voilà. Ici, typiquement, ben ça, c'est votre fil Facebook. OK, il n'y a pas de souci. Et alors, à gauche, on a le fil Insta. Mais ce que je recommande, c'est de cliquer sur la grille. Et comme ça, on voit à quoi ressemble votre grille Instagram. Alors, idéalement, bon, au début, j'essayais de le faire, je vous avoue. C'est de faire un texte, une photo, un texte, une photo, un texte, une photo, etc., pour avoir une grille qui soit un peu plus cohérente, ouais. que ce soit beau graphiquement, tout ça, tout ça. Voilà, bon. De nos jours, ce n'est plus tout à fait le cas, parce que, voilà, de toute façon, votre publication va apparaître dans le fil d'actualité d'Insta. Et ce que les gens vont regarder, c'est la qualité de vos photos. Ce n'est pas parce qu'il y a une cohérence que ça y est. Maintenant, oui, je le recommande quand même d'avoir une belle cohérence, mais c'est beaucoup de boulot. Hein. Mais en tout cas, ça permet de voir, en tout cas. Euh, à quoi ça ressemble, vous voyez que Chez moi, j'ai fatalement privilégié les, les tons rouges. Les hein. doit être rouge. Donc voilà. Et enfin, vous avez les mentions et les tags. Et en fait, les mentions et les tags, c'est dans les contenus. Et c'est ça qui est un petit peu perturbant, voilà. Parce que bon, on pourrait aller le voir dans la messagerie, mais c'est ici que vous allez retrouver, voilà, quelles sont les personnes qui vous ont taguées ou mentionnées. Tant sur Facebook que sur Instagram. Et on voit ici Café Numérique Liège. manqué. Bon, okay, voilà, bien. Je check. Ça met une blinde de temps à charger une fois de plus. Hein. Voilà, vous voyez. Et alors, vous pouvez commenter. Vous pouvez mettre euh, j'adore, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez interagir en tant que vous-même ou en tant que page. Ça, ça aussi, c'est... La, la chose un petit peu perturbante pour ouais. l'instant sur, euh, sur la Meta Business Suite, c'est qu'on reçoit des notifs dans tous les sens. Néanmoins, quand on a besoin de notifs qui sont vraiment cruciaux et primordiales, on ne les a pas. Ben, en fait, elles, elles apparaissent ici. Voilà. Par exemple, voilà, à JP journaliste sur Instagram, ben, OK, on voit, euh, on voit la, ben, le, le, le tag. Hein. Donc à partir du moment où on est tagué, on le voit euh, ici. Et à ce moment-là, on pourrait le repartager en story, tout simplement. Mais de nouveau, vous voyez, ici, on ne peut pas aller. Mentionner, commenter, euh, envoyer un message, etc. C'est pas toujours. Euh, voilà. J'ose espérer vraiment, pour nous tous et pour vous tous qui nous suivez, j'ose espérer qu'à un moment, ils vont quand même améliorer la chose. Mais je veux pas être. Euh, comment comment est-ce qu'on dit Je veux pas être euh, pessimiste, mais au vu de l'actualité de ce qui se passe dans la Silicon Valley, et très spécifiquement chez Facebook, pff, à mon avis, c'est pas prêt à s'améliorer. Hein. Alors, pour votre petite info, ils vont de nouveau euh, licencier plus de 10 000 personnes. Donc, euh, voilà, annuler la story. Et alors, les clips. Euh, les clips, moi, je n'en ai pas ici. Euh, J'en ai pas. Mais vous pouvez euh, faire des clips par stream, etc. Ça, c'est le genre de fonctionnalités qui sont peu utilisées. Hein, c'est très, très peu utilisé. Ouais. Voilà, c'est très, très peu utilisé. Je ne je euh, vais même pas m'étaler euh, dessus. Donc, euh, voilà. Alors, ici, on arrive à plus. À... On vient de, faire, de, de dépasser l'heure de ce webinaire. Je vous propose de faire peut-être une petite pause de 10 oui, hein. minutes, le temps de boire un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau, euh, une, une vapote. Et... À, à, juste avant de faire la pause, il y a une, une question de Véronique ah. qui dit « Pouvez-vous revenir… » Sur la protection mot de passe par SMS dont vous avez parlé au début, oui. afin d'éviter le piratage de notre compte Facebook. Donc ça, on je... va aborder ça et puis on va faire une petite ouais, pause. Ouais. Alors, euh, ça, vous devez le faire ici dans les, dans les paramètres. Alors, il y a deux choses. Déjà, un, sur votre compte Facebook à vous. Là, du coup, je vais aller sur Facebook. Moi, j'ai une cliente qui a été piratée. Elle n'a plus accès à sa page Facebook. Alors que c'est elle qui l'a créée. Moi, j'ai accès à sa page Facebook, mais via le business manager. Okay. Mais je ne suis pas propriétaire. Donc, je ne, peux, je ne peux même pas lui léguer les droits à sa propre page Facebook. C'est juste la folie. Quoi. Euh, alors, pour ça, vous allez dans Paramètres et confidentialité. Déjà, sur votre propre profil, vous allez dans Paramètres et confidentialité. OK. Et alors, vous cliquez tout simplement sur Paramètres. Sécurité et connexion. Vous voyez ici à gauche, hein, c'est bel et bien noté, sécurité et connexion. De toute façon, Facebook a dû certainement vous le proposer plus d'un milliard de fois, mmh. <laughs> mais euh, voilà. Et alors, ici, vous avez changé tous les, les facteurs changer le mot de passe, euh, enregistrer vos identifiants de connexion, euh, et c'est ici, vous voyez, vos connexions. Moi, je peux aller tout simplement sur euh, le téléphone, ou alors un moyen peut-être encore être plus simple, c'est tout simplement vous allez sur votre profil, voilà, ça c'est une autre, une autre façon, vous cliquez sur les trois petits points et vous allez sur euh, les paramètres de profil d'identification et là-dessus vous allez aller changer euh, les, différentes, euh, voilà, les différentes rubriques que vous pouvez, euh, euh, que vous pouvez euh, bah, protéger tout simplement. Et là, vous devez mettre votre numéro de téléphone simplement voilà donc moi je vous invite à vraiment aller regarder euh, là dedans sur votre profil dans les différents paramètres checker aussi qui peut vous identifier qui ne peut pas vous identifier qui peut vous envoyer un message etc vos informations sur facebook hein. qui peut voir votre anniversaire qui peut voir vos amis votre liste d'amis etc etc et là à ce moment là euh, c'est protégé maintenant euh, je ne sais plus où j'ai mis ça mais j'ai vu hier que Facebook allait bientôt supprimer cela. Et ouais, ok. Oui, 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 Dès lors, il recommande, ça devient pénible, hein, Il recommande d'utiliser une application euh, d'identification hein, type Authenticator, Google Authenticator, etc. Parce que même le générateur de code de Facebook dans Facebook va disparaître. Ça devient. Ça va devenir compliqué. Voilà, donc en clair, on fera un webinaire une fois par semaine. Hein, ouais. hein, C'est ce que je propose. Une fois par semaine parce que ça, ça va dans tous les sens. Quoi. Mais euh, voilà, pas de panique, euh, on est tous à peu près dans le même bateau. Et fort heureusement, on sait quand même retrouver nos, 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 nos petits à gauche à droite. Quoi. OK. Euh, bah alors, voilà, on va faire euh, une petite pause. Oui, donc, euh, Il est 14h59. Bon, il est 15h. Je vous propose de reprendre à 15h10 si ça vous oui. va. Parfait. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et nous voici de retour. Voilà, 15h10, 15h10 tapante, on reprend. On reprend. Voilà. J'espère que vous avez pu prendre un petit peu l'air, prendre un dafalgan <laughs> avec toutes ces nouveautés dans le Meta Business Suite. Vous avez pu respirer un petit peu, faire une pause technique, etc. Donc euh, voilà, je continue mon, mon déroulé. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a eu des questions Tiens, entre temps, il se Personne peut que pendant le. Personne pendant la pause. Pendant la pause euh, les opérateurs ont pris leur pause aussi. Ils ont bien raison. Voilà. En plus, il fait beau, il fait magnifique. Euh, autant en profiter. Donc voilà, ce qui est une certitude aujourd'hui, il fait beau. Donc, je continue un petit peu le, le déroulé de la Meta Business Suite. Donc, on a vu ici à gauche dans le contenu, on sait voir effectivement les publications, les stories, les tests AB. Hein. Donc, je, je vous ai dit vraiment le test AB testing, c'est plutôt pas mal. Et alors on a les collections, les playlists et les séries. Voilà. Bon, ici, moi, je n'ai pas fait de collection. Euh, les collections, c'est Anciennement, on appelait ça des albums euh, photos. Hein, on pourrait créer un album, hein, voilà, dans lequel on met, euh, je sais pas, un webinaire. Et alors, on va systématiquement mettre les photos dedans. Voilà. Ensuite, vous avez les playlists. Les playlists, ça, par contre, c'est très intéressant. Ça existait déjà dans le Créateur Studio, mais c'est, euh, voilà, si vous avez une série de vidéos avec des tutoriaux, par exemple. Hein, moi, je vais créer une playlist qui s'appelle Tutoriaux, et ça va figurer. Sur ma, page, euh, sur ma page Facebook. Les séries, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'à un moment, ça expire, tout simplement. Alors, vous avez une série, saison 1, épisode 1, saison 2, épisode 2, etc. etc. Donc, voilà. Bon, c'est vraiment au besoin. Hein. Ce n'est pas toujours euh, applicable pour tout le monde. On n'a pas toujours besoin de, de ça, mais voilà, on a différentes playlists. Voilà. Et ensuite, on a les éléments créatifs. C des, c des, euh, ce sont des vidéos qu'on peut cross-poster. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer euh, en quoi consiste le cross post Parce que je pense qu'il y a euh, encore certains opérateurs qui ne connaissent pas cette fonctionnalité-là. Mm -hmm. Alors moi ici, je n'ai pas d'éléments à cross-poster. En gros, le cross-postage, c'est euh, admettons, vous êtes community manager de la page Visite No, Visite Namur, Le Delta, etc. Vous êtes community manager de trois, quatre pages Facebook différents. Vous avez une vidéo qui correspond aux 3-4 pages Facebook aussi. Vous aimeriez la diffuser sur les 4 pages Facebook en un coup, sans devoir aller à chaque fois refaire le même texte, etc. Mmh. C'est etc. ça le cross-postage, tout simplement. C'est partager, donner une vidéo à une autre page. C'est ça, c'est ça. Et vous pouvez la cross-poster. Dès lors, ce qui devient intéressant aussi, c'est que cette vidéo, euh, du, coup, hein, <laughs> du coup, on a des statistiques qui sont cumulées. Donc, si la vidéo fait 100 000 vues, bah oui, on sait qu'elle a fait 100 000 vues parce qu'on l'a diffusée sur la page A, la page B, la page C et la page D. Voilà, tout simplement. C'est ça le, le cross-postage. Donc, voilà, bon, ce n'est pas toujours super, euh, super euh, utilisé, mais ça peut le faire. Un petit peu comme quand vous faites un événement avec des partenaires, par exemple. Voilà. Vous, en tant que page Facebook, vous allez approuver euh, l'animation d'un événement en tant que partenaire. En disant, voilà, c'est Techno Future et Visite Eno et Désirède. Voilà, on est tous les trois sur le même événement et donc on peut gérer cet événement à plusieurs. Le cross-postage, c'est un petit peu le, le même principe, sauf que c'est uniquement pour, euh, pour des vidéos. Voilà, tout simplement. Ça va jusque-là? Alors, on arrive enfin aux statistiques statistiques ici à gauche. Et celle-là, malheureusement, je trouve que ce n'est pas... Moins complet que le Créateur Studio. Voilà, c'est moins complet. Encore que sur le Créateur Studio, je trouvais que ça commençait déjà un petit peu à péricliter. Mmh. Euh, là, c'est... Voilà, on ne sait pas quoi faire en fait de ces statistiques. Voilà, c est... C est... On va vous donner des indicateurs fatalement qui vont dans le rouge. Hein. Pourquoi Pour vous pousser à booster et dépenser de l'argent, hein, évidemment. Voilà. On vous dit pas quelle publication quoi quelle audience enfin c'est pas très euh, c'est pas très euh, c'est pas très clair en fait hein. c'est pas très très clair. Ici on a la couverture par jour voilà euh, comment comment élargir votre couverture? bon ok il vous donne il vous donne des, des, des conseils mais voilà en gros plus vous publiez au mieux ça marche mais c'est pas toujours vrai. voilà donc ça c'est par jour. Et cumulé. Alors cumulé, évidemment, oui, c'est bien, on a de plus en plus de monde qui est, qui est touché fatalement parce que j'ai de plus en plus d'abonnés. <laughs> Ce qui est tout à fait logique, en fait. Ouais. Non, mais voilà. Les résultats, ici à gauche, vous allez voir que de nouveau, voilà, couverture de la page Facebook sur les 28 derniers jours, un cycle lunaire. Ben, voilà. On voit qu'on a eu plus de monde le 23 mars. OK, à quoi ça correspond eh ben, Même si je clique dessus, il ne se passe rien. Je ne sais pas. Moi, je sais, parce que j'ai publié le 23 mars, évidemment, une publication, donc, fatalement, j'ai eu un peu plus de monde. Mais ce n'est pas, pas clair, quoi. ça n'est vraiment pas clair. Par contre, dans l'audience, un petit peu comme avant, vous avez l'audience actuelle, là, c'est beaucoup plus clair qu'avant, je trouve. Hein On a les âges et les genres. Voilà, j'ai un petit peu plus de, de femmes, de 35 à 44 ans et de 25 à 34. Qui fréquente ma, ma page Facebook. Et à droite, ça, c'est quand même cool parce qu'on a, voilà, a le split entre Facebook et Instagram. À gauche, on a Facebook. À droite, on a Instagram. Ça se retrouve dans le même onglet. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, ici, on voit que sur mon compte Instagram, ben, voilà, j'ai à peu près le, le même genre de, de personnes. On voit les principales villes, beaucoup de gens de Bruxelles et Charleroi. Enfin, il est éteint. Il est éteint, comme on dit, dans la région. Et alors, on sait voir les principaux pays. Donc, on voit qu'ici, c'est principalement Belgique pour Facebook et Instagram, Belgique, mais aussi la France, bizarrement. Turquie, États-Unis, Iran. On va savoir pourquoi. Voilà. Et ça, c'est intéressant, c'est l'audience potentielle. Qui est-ce qu'on pourrait toucher C'est-à-dire à peu près entre 7,5 millions et 8 millions 800 mille personnes sur Facebook, d'après Facebook. Or, on a bien vu tout à l'heure qu'en réalité, il n'y a que 6 500 000 personnes. Ouais. Voilà. Mais pourquoi ici il y a autant C'est parce qu'en fait, c'est l'audience cumulée entre Facebook et Instagram. Ouais. Et que fatalement, il y a des gens qui sont ouais. sur Facebook et Instagram. C'est la même personne. Donc là, il va vous donner les âges, les principales villes, les principaux pays, les principales pages que les gens suivent en Belgique. Voilà. Et ça, c'est de nouveau pourquoi Pour faire de la publicité. Alors, vous pouvez hein, faire par exemple. Charleroi, hein, typiquement, moi, je vais mettre Charleroi euh, en Belgique, hein, pas en Pennsylvanie. Voilà, tac. Qui sont les gens de Charleroi Quelle page ils suivent Ben ça, malheureusement, vous voyez, une erreur s'est produite. Et ce n'est pas une erreur. C'est Facebook qui ne veut pas le dire. Parce mm -hmm. qu'autrement, ce serait trop facile pour moi que de faire de la publicité voilà, mm -hmm. avec un indicateur. Donc, voilà. Et ensuite, on a benchmarking. Voilà. Et on peut, le benchmarking, c'est quoi C'est en réalité, on peut comparer euh, des pages Facebook, etc. Voilà. De nouveau, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup. Voilà, je vais aller choisir sur Facebook, comparaison de l'entreprise. Et on peut voir, ben, voilà, semblable aux autres, voilà. je pourrais avoir 929 fans. Je pourrais avoir deux nouveaux followers de la page Facebook, etc. etc. Mais avant, de nouveau, c'était beaucoup plus poussé. Néanmoins, je peux aller dans les entreprises à surveiller et vous voyez qu'ici, ben, voilà, les agences dites concurrentes, un hein, coucou si vous nous regardez, <laughs> voilà, Mountain View, MKKM, Clé de Web, etc. Atelier et là, là c'est Facebook qui ajoute ces pages-là C'est vous-même qui pouvez ajouter des, des entreprises. Okay, donc, c'est les concurrents voilà. que tu estimes les tiens pour toi. Voilà, je vais mettre Techno okay. Future, hein, Alors, ce n'est pas un concurrent, c'est un confrère. Voilà, alors, je vais mettre Techno Future, mmh. TIC. Voilà, terminé. Alors, je ne suis pas sûr qu'il va. Ah bah ben si, il affiche directement, c'est très très bien. Voilà, mention, de... euh, men... mention j'aime la page 10 200 fans, félicitations. Évolution des mentions j'aime sur les 28 derniers jours 102, félicitations aussi. Et euh, nombre de contenus publiés toujours sur 28 jours, hein. c'est 29. Okay. Donc euh, techno, pas voilà, de publication par jour, ce qui est très très bien. Donc voilà, on peut avoir les, les, les comparatifs tout simplement en tout cas pour Facebook voilà maintenant sur Instagram c'est un peu plus euh, voilà c'est un peu plus euh, voilà les statistiques qui sont ici sur Insta sont un peu plus basiques néanmoins je peux aussi ajouter des entreprises et bon, bon Technofuture hein, en espérant qu'on le retrouve 1200 followers voilà terminé bam. et là on voit le nombre de contenus publiés etc mais on ne voit pas encore l'évolution des fans, mmh. tout simplement parce que je viens seulement de le, de, de, de le rajouter. Alors, ici, on a une question en parlant de contenu mmh. euh, de Noémie qui demande quels sont les contenus à privilégier par rapport à Facebook Donc, pardon, quels sont les contenus à privilégier sur Instagram par rapport à Facebook Est-ce qu'il faut développer deux types de contenus différents ou bien est-ce qu'on peut simplement partager les mêmes publications en sachant que le public touché sera effectivement différent alors, euh, dans, dans la théorie, dans, dans les livres, enfin dans les livres sur la toile, j'ai envie de dire, on nous demande toujours, on dit toujours que, voilà, idéalement, il faudrait avoir des publications différentes. Voilà. Néanmoins, on reste humain. Et euh, je sais très très bien que je n'aurai pas le même public sur Insta que sur Facebook. Et donc, si par exemple, je fais une publication avec un carousel photo sur Instagram et un album photo qui, qui reprend exactement la même photo, le même texte, etc., sur Facebook, de toute façon, je vais avoir des engagements différents. Et il se peut que toi, Laurie, tu, tu n'interagisses pas avec, avec cette publication sur Facebook, mais au contraire, tu vas interagir avec cette publication mmh. sur Instagram. Parce que toi, sur Facebook, tu es plus enclin à cliquer sur des liens, par exemple, ou plus cliquer sur une simple photo, ou plus réagir, commenter ou partager. Euh, que sur Instagram, euh, mm. tu, vas, tu vas plus regarder les photos. Donc, ça, c'est une chose. Seconde chose, même si une même personne va voir la même publication sur Facebook et sur Instagram, mais tant mieux, en fait. Parce qu'en réalité, ben, ça fait du recall, c'est de la notoriété, c'est de la mm -hmm. D'ailleurs, en stratégie publicitaire, on va, on va en parler d'ici quelques instants, qu'on va essayer de faire en publicité, c'est de, de faire en sorte qu'une publication apparaisse au moins six, sept fois auprès de la même personne. Alors, je vous entends déjà, même si c'est silencieux, je vous entends déjà dire, oui, mais enfin, c'est beaucoup, etc. Non, en publicité, depuis que la pub existe, c'est-à-dire depuis les années, de toute façon, 30, 40, 50, même les années 20, on dit que si une pub n'a pas été vue six fois, elle n'a pas été vue. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps les mêmes messages publicitaires en radio, en TV, en affichage, billboard, etc. Tout simplement parce qu'il faut le rappeler. Voilà. Et le simple fait de rappeler quelque chose, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. Oui, j'ai vu ce ma matin. pertinence à publier les mêmes contenus. Pour moi, la, la pertinence, elle est là de publier les mêmes Après, contenus. Après, il faut quand même s'adapter, notamment au niveau des, des, euh, des dimensions de, du visuel, par exemple. Bien, bien, bien sûr, bien sûr, les dimensions de visuel. Euh, typiquement, sur Instagram aussi, ce qui fonctionne très, très fort, ce sont les réels. Hein, les vidéos qu'on va diffuser sur Instagram vont se retrouver dans la section réels. Il faut savoir qu'une vidéo va se trouver de toute façon dans la section Reels. Avant, c'était IGTV, puis après, c'est devenu Instagram vidéo. Maintenant, ça s'appelle des Reels. Mais il ne faut pas confondre une vidéo qui se retrouve dans les Reels avec un réel, un véritable réel. J'ai envie de dire, attention, prenez du dafalgan. Un réel réel, c'est une vidéo sur laquelle on, a venu, on est venu juxtaposer un, un, un sticker musique, en fait. Voilà, ça c'est un véritable réel, tout simplement parce qu'il y a de la musique. Voilà, et que de la vidéo, la même vidéo que je vais diffuser sur Facebook, elle aura moins d'impact d'office. Moi, je le constate pour mes clients, les vidéos que je diffuse sur Facebook, pourtant elles sont en format vertical, en mode combini, très dynamique, tout ce que, tout ce que vous voulez, elles vont fatalement mieux fonctionner sur Instagram. Voilà. Sur Instagram, néanmoins, si vous faites par exemple un album photo, donc un carrousel, vous allez aussi prendre le soin d'utiliser des hashtags de grâce, s'il vous plaît. Sur Facebook, c'est peut-être moins pertinent. Ça n'a aucun, au, aucun rapport. Ça. Euh, ça, alors, c'est pas interdit, hein, ça ne fait pas de mal. Mais mettre un, un, un hashtag sur, sur Facebook, déjà, très, très peu de gens cliquent dessus. Et quand bien même, je clique dessus, il n'y a pas la possibilité de suivre ce hashtag, ça. comme on le verrait sur Instagram. Ou comme on le verrait sur Twitter ou même LinkedIn. Sur LinkedIn, on peut suivre un hashtag. Ça. Euh, donc, voilà. Mais, euh, pour répondre à ta question de manière plus, plus, plus résumée, Noémie, euh, ce qui est certain, c'est que les photos, les carousels photos sur Instagram, avec des visages humains, de nouveau, avec des visages humains, et avec euh, une longue description juste en dessous, hein, c'est reconnu, ça aussi. Mm -hmm. La description, au plus c'est long, au mieux c'est, entre guillemets, hein. Il bon, ne faut pas aller taper n'importe quoi non plus, euh, parce que les gens vont s'engager davantage, ils vont lire. Et en fait, en réalité, sur Instagram, ben, euh, ça devient un petit peu un outil de microblogging aussi. Hein. Et de grâce des hashtags. Alors des hashtags, vous en mettez à peu près 10. Voilà. Ne mettez jamais les 10 mêmes hashtags sur chacune de vos publications, sinon vous allez être ce qu'on appelle shadow ban. Instagram déteste ça. Vous pouvez fatalement mettre les 5 mêmes hashtags et 5 autres. Vous faites une photo avec, euh, avec des paysages, ben, totalement. vous allez mettre hashtag Charleroi, hashtag Eno, hashtag visite Eno, euh, hashtag Belgium et, euh, et hashtag tourisme, par exemple. Ça, ce sont les cinq mêmes hashtags que vous allez utiliser systématiquement sur toutes vos photos, totalement, puisque ce sont des photos qui ont euh, un rapport avec la visite du Eno. Mais si dans une photo, vous avez des chats et de l'autre côté, vous avez des pots de confiture, hein, je schématise, eh bien, fatalement, vous allez rajouter « cat »,« lovely cat », etc. Et sur celle où il y confiture bah, vous allez mettre euh, « confiture »,« confiture du pays »,« confiture bio », etc. etc. Voilà. Donc, il faut arriver à, à, à doser 5 hashtags de base plus 5 hashtags différenciants. Donc, euh... donc, voilà. donc Instagram a quand même encore, heureusement, même si les taux d'engagement sont moindres, il y a encore du monde quoi. et mmh. ça, ça fonctionne encore. Ça. Voilà. Euh... Donc voilà, en gros, hein, en gros parce que bon, ce n'est pas une formation Instagram non plus. Au besoin, on peut en faire une. Mais euh, parce il y a beaucoup de choses à dire sur, sur Instagram. Comment relayer aussi des contenus en stories, etc. Il y a des contenus qui sont sur Instagram qu'on peut repartager à nouveau en stories. Euh, je pense aussi, entre autres, au guide Instagram. Hein, surtout pour le tourisme, c'est très efficace, c'est très, très bon. Mais, euh, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pas pour le moment. Pas pour le mais... moment. OK. Donc, on était toujours dans l'onglet euh, statistique. Donc, vous voyez, vue d'ensemble, résultat, audience. Et ensuite, on a les contenus. Et là, on va voir les, euh, les contenus. Donc, le nombre de publications Facebook, on a fait sur les… Euh, bah voilà, il met, par défaut, il me met les noms en dernier jour. D'ailleurs, vous voyez, vous-même, j'essaye de, de changer. Il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Le nombre d'interactions, etc. Et il va me montrer les publications qui ont plus ou moins bien fonctionné. Mais vous voyez, ce n'est pas clair de nouveau. Ce n'est pas clair. Voilà, cette publication a enregistré 1150% de réactions de plus que votre médiane des publications. Voilà, ok, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça quoi Voilà, les stories Facebook. Bon, voilà, ici, moi, je n'en fais pas. Voilà, pas du tout. Voilà, les publications Instagram. Et enfin, les stories Instagram. Ici aussi, j'en fais pas énormément. Donc, euh, voilà. Et enfin, ici, vous avez les contenus. Et là, de nouveau, la Meta Business Suite, ce n'est pas génial, génial. Je vais mettre sur, voilà, je vais mettre depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, mettre à jour. Et alors, on voit un espèce de tableau, mais qui n'est pas facilement navigable. Parce que vous voyez, vous avez une barre de scroll en bas. C'est vraiment pourri, quoi. Voilà, vous avez couverture, mention j'aime. Clique sur les stickers, clique sur le lien, commentaire, partage, résultat, etc. Par contre, on n'avait pas le taux d'engagement. Vous devez le calculer vous-même. Ou alors, vous allez sur colonne. Et là, c'est parti, vous avez du choix. Quoi. Et pourtant, je les ai tous mis. Et malgré tout, il n'y a pas d'engagement. Euh, et ça, c'est quand même assez perturbant, hein, cette histoire-là. Donc voilà, pour vos vidéos aussi, hein, je vais vraiment terminer sur la vidéo. Performance, ça, c'est toujours intéressant de voir les minutes vues, combien de, de vues vidéo, est-ce que les gens regardent jusqu'au bout, etc., etc. Ça c'est toujours assez intéressant à voir. Et euh, je vais prendre, je sais pas moi, je vais prendre celle-ci, 8 oui, minutes vues. Ok, je clique dessus, je clique sur voir les statistiques. Et ça c'est très intéressant quand il veut bien s'afficher. Et ça on l'avait déjà à l'époque sur le créateur studio. C'est de voir en réalité à quel moment à quel moment les gens. Vous euh, voyez ici en haut à droite, on a la vidéo. Là, voilà. j'avance, j'avance, j'avance. Là, on est à 1 minute 15. Voilà. On sait voir ici dans la courbe en dessous à quel moment les gens décrochent. Et tant qu'il y a ça. un visage, ça va. Les gens sont là, les gens sont là. Et dès, dès, dès qu'on qu ne voit plus mon visage, boum, les gens décrochent. Vous voyez Et ça, c'est intéressant. Mais néanmoins, on voit que quand même, à peu près euh, 50% de la, la vidéo a quand même été vue jusqu'au bout. Quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Quoi. Et là, vous avez des statistiques vraiment euh, poussées. Voilà. Il suffit de cliquer sur rétention. Vous voyez, voilà, ici, c'est beaucoup plus visible. Rétention, à quel moment les gens se barrent. Et vous voyez ici, rétention 94-97. C'est-à-dire que les gens reviennent. Ils okay. ont fait un rewind, en fait. Pour voir, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais bon, voilà. Peut-être qu'ils aimaient bien voir mon visage, on ne sait rien. Ou ici, voilà, tac. Voilà. Donc, Donc voilà. Y y y vende... Pauline qui demande euh, un bref rappel mm -hmm. entre la différence entre couverture et impression. Alors couverture et impression, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. La seule chose, c'est que couverture, c'est le nombre de personnes atteintes. Impression, c'est le nombre de fois où cette publication a été affichée sur le fil d'actualité. Ouais. Donc, un, un, un utilisateur peut avoir vu plusieurs fois. La publication. Exactement, c'est ça. ça. Donc, on va d'office avoir plus d'impression que de couverture. Voilà, d'office. Tu as vu une publication une fois, tu l'as revue une deuxième fois parce qu'elle a été partagée, par exemple, dans un groupe Facebook ou sur une autre page. ça. Bah, donc, couverture 1, donc c'est une ouais. personne, impression euh, 3, voilà, tout simplement. Et après, on a. L'engagement. Et l'engagement, c'est le nombre de personnes qui ont interagi avec cette fameuse publication. Donc, et typiquement, l'interaction, ça va être quoi C'est ben, je m'arrête. Voilà, je m'arrête sur, euh, sur une photo. Voilà, je m'arrête ici, pouf, ouais, ok. J'interagis. Je clique sur voir plus c'est une autre interaction. Euh, je clique sur la photo pour la zoomer, c'est une interaction. Ça. Et après, vous avez les interactions classiques, évidemment, qui viennent après. C'est le like, le comment, le partage, euh, etc. Mais le simple fait de s'arrêter sur une pub, boum, tac, déjà, c'est une interaction. Même si je ne regarde pas la vidéo. Hein. S'arrêter une seconde, c'est déjà, euh, déjà, déjà bien. Quoi. Voilà pour euh, les statistiques vidéo. Après, même chose, hein, vous avez de nouveau du benchmarking, les audiences, etc. Donc, euh, bon, je ne vais, vais pas trop, trop développer euh, là-dessus parce que c'est déjà, déjà pas mal en termes de, en termes de statistiques. Voilà, rétention, bah, même chose. Hein. Normalement, vous devrez pouvoir les voir. Ici, il ne les affiche manifestement pas. Messagerie, on l'a vu tout à l'heure. Là, vous allez voir les gens qui ont diffusé un message ou un commentaire. Ce n'est pas là que vous allez retrouver les tags. N'oubliez hein. pas, les tags, ils sont ici dans le Contenu. Hein. C'est ça qui est perturbant aussi. Parce que moi, à la base, c'est vrai, d'une manière euh, spontanée, j'irai peut-être dans Messagerie pour aller voir qui m'a tagué. Donc, euh, voilà. Monétisation, euh, vous n'en occupez pas parce que de toute façon, ce n'est pas encore disponible en Belgique. Et ensuite, vous avez les publicités. Le fameux gestionnaire de publicité. Le fameux gestionnaire de publicité. Alors, justement, et c'est là qu'il ne faut pas se planter, mes chers amis, vous n'allez pas créer votre pub ici. Enfin, bien que, oui, bon, c'est une bonne base. C'est une bonne base, mais ce n'est pas, pas top. Sincèrement, ce n'est pas top. Pourquoi Admettons, je veux attirer plus de visiteurs sur mon site web. Hein, typiquement, voilà. Ok, génial. Alors, euh, déjà, je peux pas choisir l'URL. Bon, je peux en rajouter une hein, au besoin. Euh, je peux, au niveau du texte, je sais pas vraiment changer énormément de choses. Et puis surtout, bon, en termes de ciblage, c'est très très bien. Mais petit euh, moment, en termes de ciblage, c'est bien, mais c'est il reste aussi poussé que l'ancienne version Non, franchement, non. C'est mieux qu'avant. Hein. C'est mieux qu'avant. C'est un peu plus simplifié. Il y a un petit peu plus aussi de, de possibilités. On a une date de début, une date de fin. Alors qu'avant, on n'avait pas de date de début. On avait juste une date de fin. C'est tout. Donc C'est-à-dire, tu diffuses ta pub, ben, tu es obligé de la lancer euh, bah, immédiatement. Ouais. Maintenant, enfin, on peut voilà, dire, voilà, je commence le 8 avril euh, à telle heure, je termine tel jour à telle heure. Vous mettez votre budget et vous allez choisir vos emplacements. Néanmoins, ce n'est pas cool parce que Facebook, oui, OK, mais où sur Facebook Dans les stories, dans le fil d'actualité, dans les groupes, dans la colonne de droite Est-ce que je veux cibler les téléphones mobiles ou pas Voilà, moi, personnellement, je ne trouve pas ça génial, génial. Alors, c'est un très, très bon début. Hein. C'est très bien. Hein. C'est quand même mieux que rien. Alors, vraiment, pour aller dans. Le gestionnaire de publicité, là, il faut aller ici dans tous les outils. D'accord Et vous allez en dessous ici dans Publicité, vous avez Gestionnaire de publicité. Et là, on ouvre un nouvel écran. Et ici, ouais. voilà. Ici, vous pouvez. Bon, du coup, je dois aller sur mon compte, hein, le vrai. Voilà. Et là, du coup, vous allez pouvoir créer une nouvelle publicité. Mais qui est beaucoup plus poussé. Alors évidemment, c'est un Donc, peu plus complexe. Ce que tu as montré juste avant, c'est comme le bouton booster une publication ça, en dessous ça. de la publication. C'est ça, c'est exactement ça. ça. Or ici, moi par exemple, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'aimerais faire de la pub dans un premier temps pour que euh, ma publication ou ma page Facebook soit le vue le, vu le plus possible. D'accord Bon, dès lors, je vais choisir notoriété. Voilà. Et dans notoriété, vous voyez que vous avez Couverture, notoriété de marque, vue vidéo, notoriété de l'emplacement de la boutique. En règle générale, je fais d'abord une campagne de notoriété et ensuite une campagne de clics. Voilà, bon. Alors, je vais dans Notoriété, je fais continuer, et là, on tombe dans le euh, Facebook Ads Manager, le, anciennement Power Editor, si certains s'en souviennent. Voilà. Facebook aime bien changer de nom. Ah, les... ils adorent, Après, ils ils adorent ça. Les hein. utilisateurs. Exactement. En fait, quand ils font une bourde, ils changent de nom. Hein. Ouais, comme, ça, ouais. comme ça, on ne pourra plus dire c'est Facebook, c'est Meta. Mais le résultat est le même. Donc voilà, là, vous mettez votre budget. Alors, admettons, je, mets, je sais pas, moi, je mets 50 euros. Très, très bien. On ne va pas déconner non plus. Là, diffuser la pub tout le temps. Et alors, dans l'ensemble de publicité, je vais choisir évidemment ma page. Voilà. Alors de nouveau, hein, ce n'est pas une formation Facebook Ads, mais je vous montre comment est-ce qu'on peut, euh, voilà, est qu peut un petit peu euh, pimper la publicité ici. Et alors, vous allez chercher vos, vos audiences, les lieux, etc. Voilà. Moi, je vais, je, vais, voilà, je vais mettre ceux qui sont intéressés par les formations TikTok, par exemple. Voilà, je peux choisir les âges, je peux choisir. Euh, les lieux, je peux choisir aussi des codes postaux, hein, tout simplement. Je peux choisir des langues, etc. Et là, nouvelle nouveauté, si je peux m'exprimer ainsi, on a ce qu'on appelle les placements Advantage Plus. C'est tout nouveau, ça, chez, chez Facebook. C'est plutôt pas mal. Alors, soit vous le sélectionnez, soit vous allez choisir vous-même vos emplacements manuellement. Bon, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc le premier, c'est Facebook qui choisit en Facebook. Facebook qui de... décide, euh, il va optimiser vos budgets. Alors de nouveau, pourquoi est-ce qu'il va entre guillemets euh, optimiser les budgets Parce que tout simplement, je l'ai mis ici, là, quelque part. Euh, voilà, c'est que Facebook a fait pas mal de changements. Euh, je le mettrai dans les slides. Hein. Il a fait pas mal de changements en termes de ciblage. Et on est de plus en plus restreint en fait. Okay. Euh, typiquement, euh, on ne peut plus cibler, par exemple, les demandeurs d'emploi. Ce qui est complètement débile. Ce qui... Bon, ben voilà, je fais une formation qualifiante. Ben oui, je veux cibler les demandeurs d'emploi ou les gens qui veulent changer de, de carrière. Je ne peux plus cibler les personnes de moins de 18 ans. Avant, ce n'était pas aussi 13-18 ou en tout cas 13-25, je pouvais le faire. Maintenant, on ne peut plus. Euh, etc., etc. Il y a des tas de choses qui ont changé et c'est assez pénible. Alors à ce moment-là, ben, soit vous faites placement Advantage Plus, ou au contraire, ben, ce n'est pas grave, vous savez ce que vous faites et vous allez dans placement manuel. Et là, c'est à vous de choisir Facebook, Instagram, Audience Network. Moi, je vais prendre Facebook et Instagram. Messenger, pourquoi pas Pour du clic, c'est plutôt pas mal. Et vous choisissez le fil Facebook, le fil Instagram, le fil du profil Non, je décoche. Facebook Marketplace, ça peut avoir de l'intérêt. Ça dépend, de nouveau, ce que, vous, ce que vous proposez comme produit, service, etc. Fil vidéo Facebook, ma foi, non, parce que c'est très perturbant. Hein. Ouais. Quand vous regardez une vidéo YouTube et puis euh, au bout de 15 minutes, vous avez euh, d'Or de Best Chocolade. Enfin, euh, non, quoi, <laughs> ça ne <me> va pas. <laughs> hein, C'est un exemple parmi d'autres. L'Explorer, pourquoi pas, et l'accueil Explorer. Et vous voyez, ici, vous pouvez vraiment aller choisir les emplacements où est-ce que vous voulez que votre pub euh, figure. In Article, ça va disparaître, de toute façon. Ça n'a jamais été utilisé. Donc, ça tombe bien. Voilà. Et alors, je vais vraiment ici, euh, en bas, la voilà, optimisation pour la diffusion des publicités. Ben, fatalement, vous mettez couverture ou impression ou augmentation de la mémorisation publicitaire. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, voilà. Et enfin, <coughs> si je fais couverture, vous voyez limite de répétition, une impression tous les 7 jours. Eh bien, Moi, je vais faire l'inverse. Je vais mettre cette répétition tous les deux jours, par exemple. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre pub, elle va apparaître une fois dans une story à Instagram. Euh, quelques heures plus tard, elle va figurer dans votre fil d'actualité Facebook. Puis après, elle va figurer sur Messenger. Et là, totalement, ben, les gens… Ont... Oui, tiens, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois que je vois cette pub. Voilà. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, jouer la répétition pour la répétition, euh, créer ouais. la publicité. Pour, pour, que, pour que les gens la, la voient. Après, on peut faire une seconde vague de publicité du clic, parce que là les gens vont la voir même si vous mettez un lien vers votre site web il est très 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 rare que les gens cliquent dessus, voilà, parce que c'est la pub ici en question, c'est vraiment une pub de, de notoriété évidemment tu peux mettre un lien dessus il y aura deux pelés, trois tondus qui auront cliqué dessus mais voilà après on fait une seconde vague de publicité, on pourrait dire voilà on fait une pub pendant deux semaines, et qui on va cibler cette fois, on va pas cibler des intérêts on va cibler ceux qui ont interagit avec nos publicités de notoriété. Donc, ceux qui l'ont déjà vu, ceux qui ont déjà interagi. Ceux... voilà. Et à ce moment-là, on a un ciblage qui est euh, aux petits au petit oignons. Donc, voilà, ça, c'est pour la partie euh, publicité Facebook. Il y a, de nouveau, il y a tellement de choses à dire sur les pubs Facebook. Mais sachez une chose, c'est que, oui, comme je l'avais dit tout à l'heure, les performances publicitaires ont chuté hein, de quasiment 30 parce que les paramètres de ciblage ne sont plus les mêmes. Euh, parce qu'il y a iOS avec l'iPhone et aussi Android euh, qui interdit maintenant les cookies, etc. Euh, parce que les, les données qu'on peut garder, c'est sur une fenêtre de 14 jours, deux semaines. C'est pour ça que parfois, vous voyez des pubs, vous cliquez en haut à droite, vous dites, je ne veux plus voir cette pub. Et deux semaines après, paf, elle revient. Ouais. Pourquoi Parce qu'on <laughs> ne peut pas garder tes données plus de deux semaines. Et donc, on ne garde pas le simple fait que tu ne veux plus voir cette pub. Donc finalement, le RGPD génère à lui, à lui tout seul du spam. Voilà donc l'onglet publicité. Et alors ici, vous avez vraiment, pour terminer, vous avez tous les outils. Si jamais vous êtes perdu, vous cliquez ici sur tous les outils. Et là, vous avez les facturations, les paramétrages de la page, euh, le paramétrage aussi pour vos moyens de paiement, etc., etc. Et alors, dernière chose. Si à un moment vous dites non mais moi je veux revenir sur le Creator Studio c'est bien joli tout ça désiré mais écoute euh, ça me saoule vous allez ici en dessous dans aide et vous cliquez ici sur passer à Creator Studio sachant ah, que de toute façon ça finira oui, de toute façon à pas disparaître de toute façon donc moi sincèrement je vous dis moi j'ai franchi le cap bon ok voilà euh, j'ai un peu moins de bugs avec la nouvelle Meta Business Suite que si je repassais avec le créateur studio parce qu'il me fait tout un, tout un bazar. Maintenant vous, passe, vous pouvez passer de l'un à l'autre hein, indéfiniment. C'est comme accéder à Business Manager par exemple ça. Typiquement vous cliquez sur accéder à Business Manager. Ok, pif, paf pouf et il va il va il va voilà déjà là on, on arrive sur <laughs> ouais. un compte Ads qui n'a rien à voir avec ce que je veux montrer. Et vous voyez qu'en fait le Business Manager. On bah, peut rajouter un est... outil bien compliqué. Voilà c'est donc autant rester dans la Meta Business Suite. Voilà, si maintenant vous passez à Creator Studio, vous allez retourner sur Creator Studio. Il est probable que ça crée des bugs. Et voilà. Et vraiment, voilà, dernière, dernière chose, dans les paramètres, hein, vous voyez, j'ai cliqué ici dans les paramètres. Ben là, vous pouvez mettre les personnes qui ont accès à votre business suite. Donc, si par exemple, je veux rajouter Loris, ben, okay, j'ajoute des personnes. Voilà, vous mettez une adresse email. Voilà, donc soit une adresse email de travail. Soit une adresse email qui est liée au profil Facebook de la personne, attention. Euh, et à ce moment-là, ben, la personne peut rejoindre ma business suite. Et à ce moment-là, okay. peut gérer ben, toutes les pages qui sont dans, euh, dans la business suite. D'accord Donc ici, ben, voilà, typiquement ma cliente, Marina, qui n'a plus accès à sa propre page Facebook. Elle a à nouveau accès à sa page Facebook via mon, ma business suite. Voilà. Et après, vous avez tout le reste hein, les éléments professionnels, euh, les. Voilà, ça c'est toutes les pages Facebook voilà, que je gère. Donc, vous voyez que il hein, bon, y, y a du monde. Hein. Voilà. Si maintenant vous voulez rajouter des éléments, ajoutez des éléments, tout simplement. Mettez page Facebook, demandez à partager une page Facebook. Et voilà. Et là, typiquement, voilà. Vous voyez Il m'envoie un petit SMS. Je vais voir si je l'ai reçu, parce que fatalement, j'avais mis mon téléphone sur ne pas déranger. Voilà, je copie le code. Et je le colle. Voilà, confirmé. Voilà, un petit moment d'attente. Et là, on revient sur l'ancien business manager. Vous voyez, ce n'est pas très stable. Hein. Et là, bah, je vais mettre Humon officiel, par exemple. Voilà. Et vous pouvez demander un contrôle total, tout simplement. Et vous faites demander l'accès. Bon, ici, moi, je ne vais pas le faire parce que. Hein. On a déjà un autre business manager pour ça, ça va. Ouais. <laughs> On ne va pas s'en mêler les pinceaux. Donc, euh, donc voilà, vous avez tous les, voilà, toutes les. Et alors, vous avez les demandes aussi. S'il y a des entreprises qui ont fait une demande pour rejoindre votre business manager, il est dedans. Euh, voilà, tout le reste, c'est classique les paramètres de l'entreprise, les personnes, les pages, les comptes publicitaires, euh, la sécurité, les moyens de paiement, etc. Les informations sur l'entreprise, c'est là où vous allez mettre votre adresse email, votre numéro de TVA, etc. etc. Donc euh, voilà dans les grandes lignes. Euh, mais en tout cas, pour résumer, je vous dis voilà, essayez vraiment de, 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 de rentrer dedans. Je sais que ce n'est pas facile. Et alors il euh, y a beaucoup d'opérateurs qui m'ont fait part de leurs difficultés. Ah oui. Sur Facebook, vraiment, comment switcher du, du profil à la page et alors le petit bouton Messenger pour accéder à la messagerie. Ah, alors Parce que ça, c'est vrai que ça a été une mise à jour importante et ça a été perturbant au départ. Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est assez perturbant. Donc ici, moi, je suis sur mon profil Facebook euh, et qu'est-ce qu'on voit Si je clique en haut à droite euh, sur euh, sur ma tronche, hein, on va dire ça comme ça, sur mon visage, hop. Je peux voir tous les profils. Et là, on va voir effectivement euh, voilà, toutes les pages Facebook que je gère. Alors, heureusement, on peut aller la chercher. Hein. Ah, moi, je vais mettre euh, Désiré d'Agency, par exemple. Voilà, ou Désiré du pas hein. », C'est très, très bien aussi. Bon, moi, je vais prendre l'humance, en fait, c'est mieux. Voilà, Humance officielle. Je bascule. Là, je bascule. Et à ce moment-là, alors. Je suis dans le fil d'actualité de Lumonse, donc je suis dans le fil d'actualité d'une page Facebook. C'est-à-dire une page Facebook peut suivre d'autres pages Facebook. Si je veux aller sur ma page, ben, fatalement je clique en haut à gauche. D'accord. Donc ça c'est une méthode. L'autre méthode c'est la même. Alors je vais revenir sur mon profil. Hein. Voilà. Ok. Je vais sur mon fil d'actualité. L'autre méthode c'est tout simple. Je vais dans le moteur de recherche, je tape Humons officiel, par exemple. Voilà. Et là, basculer oui. sur la page Humons officiel pour effectuer plus d'actions. Et là, je clique sur changer. Et on fait Switch. Voilà. Et, très, et, je, et, je, et, je, et je suis d'accord avec vous. Hein. C'est très perturbant. Oh, au début, c'est particulier. Parce qu'après, c'est une fois que tu as basculé que tu peux aller dans la Meta Business Suite. Complètement idiot. Merci. Ça, je suis d'accord avec vous, vous une... Et alors, le bouton Messenger en haut à droite permet d'accéder directement à la messagerie. À la messagerie de la page euh, ouais. Humons. Hein. Voilà. Parce qu'avant, ce bouton Messenger était dédié exclusivement au profil. Oui, oui, oui. Ouais. Ici, c'est voilà, il faut bien faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut faire très attention quand vous êtes euh, sur votre page de bien regarder qui est en train d'interagir. Parce que j'ai déjà vu des marques, pas vous, hein, parce que vous êtes formidable, ça, j'en doute pas, mais j'ai déjà vu une école de business international qui était allé commenter une publication de Sud <laughs> en disant que c'était bien fait à telle personne de s'être fait renverser par un quart parce qu'elle n'avait pas regardé. Sauf que <laughs> c'était International Business School, je ne citerai pas le nom de l'école. Je fais waouh et là, j'ai mis, euh, Ça serait peut-être euh, temps de faire une mise à jour aussi Facebook. Hein. Ouais. Mais voilà, donc faites attention à ça. Si maintenant vous voulez revenir à votre compte, bah, c'est ça. Vous recliquez sur votre, euh, sur votre visage. Et puis là, vous. vous, vous donnez... Et le procédé est identique sur mobile. Parce que beaucoup d'opérateurs qui publient depuis Exactement. le Exactement. Oui, oui. Ce que je recommande, d'ailleurs. Ce que je recommande. Petit truc aussi, un petit takeaway. Je vous donne un petit, un petit cadeau là pour la. Voilà, pour, pour terminer le webinaire et répondre à, évidemment à vos questions, euh, vous avez vu que le gros problème c'est la portée. Alors ce, qu ce que vous pouvez faire, c'est en tant que page de créer un groupe Facebook. Voilà. Alors pour créer un groupe Facebook en tant que page, vous allez ici là, ok, et vous allez créer un groupe. Tout simplement. Vous donnez votre nom du groupe, etc., etc. Gros avantage de ceci, ben, petit 1, ben, vous aurez mieux, plus de portée. Et petit 2, lorsque vous allez, par exemple, sur euh, Lumon Charleroi, hein, on a créé notre groupe juste pour Lumon Charleroi, mais je m'exprime en tant que la page et non pas en tant que désiré du bas. Et ça, c'est top. Parce qu'à ce moment-là, on aura. Voilà, non seulement c'est la page qui publie et donc vous, vous, êtes, voilà, vous êtes complètement écarté de, 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 de la chose, et puis surtout, ben voilà, vous pouvez repartager des choses qu'il y a dans votre page, dans votre groupe, etc. etc. Ouais. Donc c'est très intéressant et ça permet d'avoir un petit peu plus de portée. Et même chose ici, voilà, vous avez des statistiques bon, qui sont très basiques hein. ouais. des statistiques en termes d'engagement, de croissance, euh, de commentaires, de réactions, etc. etc., etc. Donc vous voyez. Mais ça, c'est pas mal du tout. Tant que ça existe, allez-y. Ouais. Voilà, allez-y. La question de savoir si c'est un groupe euh, fermé, public, privé, ça, ça je vous laisse ça voir vous-même. Mais euh, voilà, ça, c'est le petit takeaway, euh, le petit, take le petit euh, à emporter pour <laughs> vous. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Loris Écoute. Euh, mais... euh. Pour le moment, non. Euh, non. On arrive. Euh, tu as, 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 as encore quelque chose à dire ou On passe au, à la séance de questions-réponses. On passe à la séance de, de questions-réponses. Oui. Hein. Donc euh, oui. voilà aux opérateurs. Donc euh, vous avez beaucoup posé de questions durant ce webinaire. Euh, si vous en avez encore, c'est votre moment. On lance la petite séance de questions-réponses. Donc euh, si vous avez encore des questions, c'est maintenant. C'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas, hein, vraiment. Euh... Et euh, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de bêtes questions. Hein. <laughs> franchement. Euh... Vous pouvez y aller Alors Noémie sur Noémie. Facebook, oui. Quels sont les avantages des stories par rapport aux publications classiques et quel type de contenu est-il pertinent de partager en story, photo, vidéo ou autre Alors euh, les stories, c'est vrai qu'elles ont plutôt un peu plus de portée que les publications classiques. Néanmoins, ça disparaît au bout de 24 heures. Euh, L'autre avantage des stories sur Facebook et aussi sur Instagram vous pouvez mettre un lien directement qui pointe vers oh, c'est la, la nouveauté c'est la nou... enfin, c'est une des nouveautés effectivement ouais. euh, voilà euh, ceci dit les stories ça, ça a fait un grand boom hein. ça continue ça fonctionne c'est très très bien mais, mais actuellement sur insta et ce on va voir de toute façon tôt ou tard arriver sur euh, sur facebook d'ailleurs c'est déjà le cas ce sont les réels hein. les réels qui ne sont ni ouais. plus ni moins qu'une réponse du, du groupe meta à tiktok voilà ils imitent, en fait. Ouais. Meta copie un réseau social chinois. Mais voilà. Donc les stories. Et l'avantage d'une story, c'est que justement, vous pouvez repartager. Ben voilà, je vais prendre un exemple. Voilà, je vais gérer la page Facebook. Vous pouvez repartager une publication que vous avez déjà publiée ouais. il y a quelques jours en stories. Voilà, je vais la partager. Voilà. Bon, ici, évidemment, il ne me le fait pas. Mais depuis le téléphone, je peux le faire. Je peux repartager une publication en story, voilà, tout simplement, pour pouvoir toucher un peu plus de monde, ou en tout cas réutiliser une publication que j'avais déjà euh, que j'avais déjà publiée. Donc ça c'est ça c'est une bonne chose. Voilà. Ok. Alors une question un petit peu euh, olé olé, je vois. <laughs> ok. Verro qui dit bonjour. J'ai pas mal de dames dénudées qui like mes ah. publications Instagram. Oui je sais. Ah, ça c'est les fameux. Spam, ce sont les grave. fameux spams. Alors euh, vous aurez constaté probablement pour les plus observateurs d'entre vous que moi aussi j'ai pas... Mon... Bon ici ça va. J'ai des invitations, hein, je ne vous cache rien de madame très dénudée, de monsieur qui sont aussi euh, OK, ça va. Et ça, c'est le gros problème, ce sont, les... ce sont les spams. Ce sont les grosses spams. Malheureusement, pas vraiment y faire grand chose. Hein. Sur Instagram, il y, a, il y a une méthode. Euh, je pense même que j'avais fait un tutoriel sur ma page Facebook. S'il est sur ma page Facebook, ben je vous enverrai sur ma page Facebook pour aller le voir. Si pas, je vous le montre en direct live. Alors, je vais aller dans les vidéos. Normalement, on a, euh, on a quelque chose ici sur les vidéos. Je ne l'ai pas mis ici, quoique. Hum. Non, elle n'est pas ici. Ah, ah ben voilà. Marre de recevoir des spams d'invitations au groupe sur euh, Messenger. Ben voilà, typiquement. Bon, j'ai coupé le son, hein. mais euh, vous allez voir qu'ici, j'explique tout. Voilà. Alors, je reçois effectivement souvent <laughs> des invitations. Moi, ouais, on voit un chat qui se chatouille. Hein. Voilà. Typiquement, voilà. Tout ça. N'hésitez Et... pas à suivre euh, la page Facebook de Désiré. Voilà, Avec euh, différentes vidéos et contenus intéressants. Voilà, je vais, je vais de... maintenant que je vais avoir un petit peu plus de temps, enfin, j'espère, mmh. et j'espère pas trop non plus, mais voilà, je vais faire de plus en plus de petits tutos, effectivement, qui expliquent euh, certaines choses. Mais ça, ça arrive souvent. Maintenant, si ce sont des commentaires, euh, malheureusement, c'est déjà un peu plus compliqué. Hein. Ça, c'est le gros, gros souci, ouais. c'est que les commentaires, c'est un, un peu plus complexe. Euh, voilà. Et moi, j'en vois, euh, vois très régulièrement. Hein. Ou des gens qui me taguent dans des publications, tout ce qui est crypto quelque chose, hein, ouais. ou des gens qui me disent que, que j'ai gagné, euh, que gagné euh, je sais pas moi, un iPhone ou un aspirateur Dyson. Euh, enfin bref, je, je, je gagne beaucoup de choses manifestement. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, en te remerciant. Euh, ok. Euh, bah, écoute, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc on va. On va tout doucement clôturer. Mais écoute, ouais, euh, grand plaisir. De toute façon, on est disponible. Vous pouvez me contacter. Je vais écrire oui. euh, pour un accompagnement, pour euh, d'autres questions, sur l'adresse la, ant@visiteno.be. Je viens de la mettre dans le chat. Dans le chat. Euh, donc euh, voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, ben, voilà, on va on va en rester là. Un tout grand merci à toi, désiré. Merci à régler. toi, Maurice. Euh, nous espérons merci. avoir merci répondu à Drine. beaucoup de vos questions. Euh, on a conscience que Meta Business Suite n'est pas un outil bien fini pour le moment. Il y a pas ah mal non, de ça, bugs, encore, malheureusement. Euh, donc voilà, on, est, on espère quand même avoir répondu à, à beaucoup de vos questions. Merci beaucoup à Adrien, que vous n'avez pas vu, qui est juste là. <laughs> assurait la réalisation de ce webinaire. Merci beaucoup merci. à Techno Future oui, pour aussi, cette ouais. belle collaboration. Et merci à vous, les opérateurs, de nous avoir suivis. Je vous envoie un mail demain avec le lien de la vidéo qui sera de toute façon diffu diffusé sur notre chaîne. YouTube. YouTube. Voilà. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir.